14h54, merci beaucoup d'avoir choisi BPM. Puis Ben, as-tu pensé à moi quand il s'est mis à neiger en fin de semaine? Non. Ah non? J'ai pas pensé à toi quand il s'est mis à neiger. J'ai pensé à toi tout doucement, comme ça, sans rapport. Ta face m'est apparue. Mais pas à cause de la neige. 30 cm chez le, hein? Pour les gens qui étaient à ma hauteur chez nous. 30? Ah non, on a reçu ça. OK. De toute façon, on s'en va tout fondre cette semaine. Exact. Mais d'ailleurs, ça a besoin parce que j'ai pris la théorie, ça va fondre en fin de semaine, j'ai pas pelleté. Fait que si ça pogne en bloc. Là, ça fond dans les prochains jours, inquiète-toi pas. T'es fin, Ben, merci de penser à moi. grand plaisir. Je te rappelle qu'on est des personnes âgées, on parle de la météo quand on se voit. Fix, salut! Moi, cette fin de semaine, j'avais pas prévu nécessairement qu'il y aurait autant de neige. J'étais un peu naïf et j'ai gardé mes souliers en partant de la job. Et ces souliers-là, ils sont un peu maudits, ils sentent vraiment mauvais. Et j'ai poursuivi la tradition, donc si je sens mauvais, ce sont mes souliers. Toi, t'as un problème avec tes extrémités, hein? Toi, les pieds et les aisselles, là, ça soigne pas mal. Le pire, c'est, je jure, hier, je suis allé... Bon, je vous cacherai pas. J'étais allé chez Costco hier. Oh non! Hey, eux autres, faut qu'ils mettent de la pub ici, là. Y avait pas des Skechers. Skechers? Skechers? Les espadrilles? Ouais, les souliers. Ça semble des Skechers, là. En tout cas, eux autres, des suites, Tony Romo. Ouais, des Skechers. Il y avait des 8, mais il n'y avait pas ta grandeur. J'ai essayé de t'acheter des... Non, tu veux y acheter des espadrilles? Ça fait 3 mois, j'ai dit. Non. Je te jure, chez Costco, surtout qu'il y a des suites en vente, je t'en ramasse une paire. Il y avait les Eddie Bauer, mais c'était des Eddie Bauer de randonnée. Puis, c'était des grosses godasses. J'ai dit, d'après moi, c'est pas vraiment ça qu'il veut. Fait que si jamais vous voyez un Costco avec les Skechers, 9, il n'y a pas de demi. Fait que si tu prends-tu 9 ou 10? Je prends 10. Mais je vais m'en acheter du nouveau, là. Je vais regarder ça. Là. Depuis septembre, tu me dis ça. J'ai pris sur moi en novembre d'acheter des nouveaux. Je vais t'acheter des souliers à la seconde que. Non. Souliers en dessous d'horrifique. Non, ça, j'ai le même que Martin d'ailleurs. On sent la même chose quand on rentre en studio. Pas vraiment. Il y a un corps qui se supporte mieux que l'autre. Je te confirme. Pauvre fils. Il se fait rentrer dans la bande. Pas en tout, on l'aime. Hey, il se fait pas rentrer dans la bande. J'ai dit que je l'aime, je vais y acheter des souliers. Il est en train de se sentir. Ouais, je vais mettre du déo à la prochaine pause. Ça sent pas bon. C'est mes chandails. Ce sont mes chandails qui restent mal. Il est beau comme un cœur, mais tu sais... Magnifique. Sa blonde est partie encore pour un autre 3 mois. Peut-être pas 3 mois. Non, pas 3 mois. Une couple de semaines. Ça, j'aurais pas te fait 3 mois. 5 semaines. 5 semaines. Ouais. C'est un gentil garçon, il fait parce que sa blonde aime voyager puis il la laisse faire. Ben, j'espère bien. J'aimerais ça, moi, voir le fille ou la gars qui va empêcher son. Oh, attends une minute, c'est pas tout le monde là, qui ferait OK, tu veux partir 5 semaines, 2 fois très rapproché des gens qui feraient, moi, ça va être correct. Non? Ben, voyons donc, ici, il a travaillé pour petit chou, pourquoi qu'il attacherait sa blonde site? Elle a la possibilité de travailler à distance. Non, mais il y a des gens qui seraient pas gentils comme FX. Ça, je te dis, c'est pas tout le monde qui est gentil comme FX. Ah, oh, ouais. Ben, voyons donc. Hey, c'est un méchant sondage. On change la question sondage, Amélia. Laisseriez-vous votre conjoint-conjointe quitter 5 semaines, ouais, 2 fois en l'espace de 2 mois? Hein? Elle est revenue le 14 décembre, alors il y a environ 3 mois. Elle repart. Okay. Ouais. Aux 3 mois, votre conjoint-conjointe part 5 semaines en voyage. Il y aura une pause là, après le prochain retour. Oh ouais, c'est pas comme si elle faisait ça tous les jours. Là, elle a une opportunité. Elle a des amis qui sont au Portugal et des amis qui sont en Italie, je pense. Voilà. Et ça écoute rien rester là. C'est parfait pour elle. Je te dis, elle aime voyager, mais je te dis que FX, pas tous les garçons. On peut virer ça de bord. Toutes les filles qui accepteraient ça gentiment comme FX ou comme une autre personne pourraient le faire. Il y en a qui diraient, hey, là, toi, t'aimes trop voyager. Puis l'autre affaire, il faut dire aussi, là, ceux qui répondent non à sa messagerie texte, là. Ouais, ça fait 100 ans que vous êtes ensemble. Je peux comprendre. Là. Tu te dis, Grim, je suis pour prendre mes vacances pour voyager, puis ma blonde est. Fait que là, quand t'arrives pour voyager, ta blonde n'a plus de vacances, ça, je peux comprendre. FX et Mathilde, ça fait 1 an quelques pouces qu'ils sont ensemble. Ouais. Il y en a un, le premier voyage était prévu avant même qu'ils soient ensemble. Exact. Fait que tu veux dire, non, écoute. Là. Puis il y en a qui parlent de, ah, les jeunes aujourd'hui, couple ouvert et tout ça. Non, on n'est pas, pas un couple ouvert, là. On fait un couple fermé. Ça, c'est pas... un couple fermé. Allez, va profiter du Portugal et de ses richesses, là. C'est pas ça du tout. Non. La température, oui, mais... Acteur, non, tu sais. Non, c'est ça. On va pas apprendre l'espagnol tant que ça. Hey, pour vrai, là, on fait un sondage officiel. Ah, là. Je sais pas. Laisseriez-vous... Toi, Ben, tu laisserais pas partir ta douce 5 semaines? Non, moi, je garde vivre et laisser vivre. C'est juste que, là, j'ai 52. Je pense plus comme un gars de 25.
Tu sais, peut-être qu'à 25 ans, j'aurais fait « Ouais, t'aimes beaucoup voyager, puis moi, je trippe pas tant sur les voyages, fait que je suis pas sûr qu'on est fait pour vivre ensemble. » Tu comprends? C'est comme ça que j'aurais pensé. Exact. Mais eux sont au début de leur vie. FX travaille dans les médias, peut pas quitter de même. Puis elle, elle a une opportunité. Non, c'est... regarde, les deux parties sont parfaites dans leurs histoires. C'est... Mais je voulais juste dire que FX, t'as faim. C'est pas tout le monde. Moi, personnellement, à son âge, j'aime pas voyager, moi. Moi, je voyage dans ma tête. Ah, puis, moi, je ne pas sur les voyages. Il y a des. Il y a des gars ou il y a des filles qui sont possessifs ou qui vont dire ah non, hey, tu peux pas me quitter pendant une Mathilde, semaine. Mathilde, c'est une belle femme, là. Ouais. On s'entend. Fait que tu sais, il y en a qui pourraient être jaloux un peu et dire là, coudon, ta minute, là, tu vois-tu, tu sais. Mais comme il y en a qui l'ont écrit sur la messagerie texte, hein, coupe ouvert. Non, c'est ça. Non, c'est pas ouvert partout. Non, c'est fermé. Fermé à toute négociation. Non, mais tu sais, tantôt, on va parler avec Bob. Bob, il est parti longtemps. Bob, c'est un coup ouvert? Ben non, il est fermé quand même ici. Ça aussi, c'est fermé. Hein. J'ai-tu le temps de dire un petit mot? Oui. Le point de Martin. Ne vous laissez pas attacher par la cheville pour ne pas par votre conjoint ou conjointe. Mais en tout cas, ça me tente pas de passer là. Mais ce que je voulais vous parler, on se pose beaucoup la question. Puis Martin Sélois en a parlé aujourd'hui de Joshua Roy. Je vais vous faire entendre ce qu'il avait à dire sur le développement de Joshua Roy et je vous reviens. Je pense qu'il est pas impressionné là, tu sais, par ces moments-là quand tu joues national. Mais tu sais, c'est tous des matchs comme ça. Fait que je pense que son expérience de haut niveau, de côté pression et tout, ça l'aide à se comporter dans la Ligue nationale comme un joueur qui n'est pas impressionné. Lequel, c'est un, t'sais, la pression qu'il a subie à un haut niveau, on parle ici de championnat mondial junior, lui permet de jouer avec confiance à ce niveau-là de la Ligue nationale de hockey. Ne vous trompez pas, là. Détrompez-vous. Le Canadien discute à tous les jours de la situation de Joshua. On le garde, on l'envoie, serait bon qu'il aide le club école à Laval, jouer les séries, blablabla, mais il va bien ici, il n'est pas en mode survie. À combien de fois qu'on a entendu ça? Il est-tu en train de survivre dans la Ligue nationale de hockey où il contribue? Il ne survit pas, il contribue. Et l'autre facteur qui est important dans la donne, David Savard. Tellement heureux qu'il ne soit pas échangé. Pourquoi? Pour Joshua Roy. De quoi tu parles, Lemay? David Savard, vous savez, hein, il amène Gignac, Roy sur la route, paye tout. Pendant que Savard est avec Joshua Roy, en train de tout payer sur la route, Joshua Roy n'est pas avec ses costicines d'aujourd'hui, en train de partir sur le party à gauche pas à droite. Il est avec un vétéran, une droiture, un professionnel, un gars qui fait les choses de la bonne façon. Et il va pouvoir profiter de cette expérience-là encore longtemps parce que ça va pas échanger, et encore longtemps parce que Roy n'est pas parti pour Laval. Il est en train de donc continuer à vivre et développer, à apprendre à être un vrai professionnel en contact de gars comme David Savard. Ça n'a pas de prix. Dans un monde idéal, le Rocket se qualifie pour les séries sans Joshua Roy. Et quand la saison du Canadien est finie, Joshua Roy, c'est pas facile à dire vite, ça va aider le Rocket. Moi, je suis un petit peu inquiète pour le Rocket, malgré les victoires dans la fin de semaine. Peut-être que j'aimerais ça que Roy aille aider plus tôt que tard le Rocket. Mais présentement, ce que Joshua Roy vit avec tous les appâts qu'il y a autour de Montréal pour quitter la route, quitter le droit chemin, c'est en contact avec des gars comme Savard qui fait qu'il est encore tout droit. Et sachez qu'aujourd'hui, après que les journalistes soient sortis du vestiaire, elle fait des entrevues avec Martin Saint-Louis, qui était encore sur la patinoire, en train de pratiquer son lancer, Joshua Roy. Puis ça, c'est bon pour lui. Dans le vestiaire avec Bob Hartley, vous est présenté par le service d'outils FGL, votre spécialiste de l'outillage Milwaukee au Québec. Pour un service exceptionnel, choisissez FGL. Ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. On les a laissés un peu à revivre. Le coach. C'est la culture que t'installes dans le groupe. T'amène. Savoir jouer, c'est une chose, savoir gagner, c'est une autre paire de balles. Dans le vestiaire. Salut le Bob. Salut le Marty, ça va bien? Ça va bien, là, tu me vois-tu, là? Non. Swipe-moi à gauche ou à droite. C'est quand même correct, tu veux pas me voir? Je te vois toujours. Mais là, je te vois pas.
OK. Ouais, moi, je te vois. Puis, beau garçon. Je t'ai déjà confié que je suis pas le plus grand technologue. Hein. Ouais, je le sais. Mais là, je te demande juste de swiper à gauche ou à droite, mais t'es mieux pas prendre de change. Je ne comprends pas, je veux pas que ça explose. Mais, je fais un deal avec toi. Quand le segment est fini, essaye-le. Si ça raccroche, on n'a rien perdu. OK. OK, bon. Deal, on fait ça à la fin. Ben là, on a 15-20 minutes avec nos jobs, donc on a trop à perdre. Ouais, on a trop sur la ligne, Bob. OK, tellement de sujets à discuter. Bob, le Canadien joue bien depuis Floride, Tampa, blablabla. Tu te souviens, là, il joue 60 secondes, ouais. On a retrouvé la constance. Martin Saint-Louis a parlé qu'il est en train de trouver leur game puis que, tu sais, beaucoup de choses commençaient à tomber en place. Et oui, c'est quoi le pourcentage entre Martin Saint-Louis a raison et l'équipe n'est plus en série, il n'y a plus cette pression-là? Tu sais, les Sénateurs, fait 3 ans, une fois qu'ils sont pas en série, ils se mettent à gagner des matchs. Et où le pourcentage, selon mon vieux coach, entre le Canadien et ça clique maintenant? Puis, oups, il n'y a plus de pression. Combinaison des deux. Puis je te dirais que le pourcentage, est, je ne sais pas exactement, mais une chose est certaine, tu as raison, parce que je l'ai vécu à Calgary, je l'ai vécu à surtout à Atlanta. On se mettait à gagner sur des séries victorieuses là, en fin de saison. Ça nous coûtait 3-4 ans au repêchage, mais il reste que tu veux toujours que tes joueurs compétitionnent. Et puis, tu regardes même le match contre Toronto. Je pense que le Canadien a disputé un bon match, mais tu regardes le premier but. Et il y a une erreur d'inexpérience, une erreur de je vois-tu pas. Jacques y va, bang, il se fait prendre. McCann échappé, bang, c'est le but. Deuxième but, là, c'est Harris puis Struble. Harris, il est tout à fait de l'autre côté de la glace lorsque la rondelle est aux oreilles le long de la bande. Un petit flip dans le centre, et puis bang, on est parti, et puis ça, c'est le but à Domi. Et Harris, comme défenseur, faut qu'il vienne fermer le milieu, là. Et Struble, lui, il est sur le côté fort de la rondelle, fait que d'une certaine façon, c'est correct, faut qu'il reste là, mais Harris, mais c'est deux erreurs qu'une fois que tu vis ça, puis tu réalises, puis je pense que autant Jack Hayes, Struble, Harris, c'est des jeunes défenseurs qui ont montré quand même une belle intelligence, un beau sens de hockey. Ça se passe vite sur la glace. Et puis soudainement, des fois, tu vas penser que la rondelle va revenir sur ton côté. Protège le milieu. Tout bon défenseur, là, tu protèges le centre. Tu ne te feras jamais mettre dans le trouble. Donc, ce fut les deux premiers buts où que Montembeau a fait quand même quelques bons arrêts, mais les Leafs n'ont jamais été dominants dans ce match-là, là, mais ces deux erreurs-là. Puis ensuite, un 3 contre 3. Pearson, il a juste à rester en avant de Tavares. Là, tu sais, le hockey en dessous des bras, ça ne l'empêchera pas de Tavares de marquer le but. Fait que ça, c'est un autre point technique. Moi, je trouve que c'est 3 buts. Puis quand on dit que le hockey, c'est un jeu d'erreur, surtout le hockey de la Ligue nationale, où que la moindre erreur se transforme en but, mais je pense qu'on a eu une vraie preuve contre les Leafs parce que c'est 3 buts d'ailleurs, qui a été facilement qu'on aurait pu l'enlever. Tu sais, je parlais avec Denis Gauthier après-midi, puis on parlait de justement des buts, puis il parlait de la statistique des surnombres. OK, les 3 contre 2, les 2 contre 1, etc. Ah. Le Canadien était une des équipes qui en donnait le plus depuis le début de l'année, et dans le match contre Toronto, 5 seulement. Et ça revient un peu à ce que tu disais. Ouais. Le but là, que Jack Hayes, je suppose qu'il s'en va en début de période, c'est comme s'il pinche bizarre, puis la rondelle continue. Il pinche pas, puis c'est ça. Mais ça, c'est une erreur individuelle. C'est pas une erreur de communication avec un gars qui s'en va s'asseoir sur l'ailier, puis l'autre n'a pas pris sa place, puis là, tu dis, garde, tout est pété. Ça, c'est juste des erreurs individuelles. Pour le coach, c'est bien plus facile à régler, il me semble. Ben oui, la décision de Jack Hayes, c'est pas le système, c'est pas communication. Il faut le dire comme que c'est une mauvaise décision de la part de Jack Hayes, et c'est tout. Exact. T'sais, lui, s'il ne squeeze pas, il gars tout de suite. S'il ne prend pas en charge tout de suite, c'est un 2 contre 2. Il n'y a pas de danger. Si tu y vas, il faut que tu aies tout jeune défenseur ou tout défenseur qui pinche. Là, et ouais. Je ne sais pas le terme français. Là, on ne peut pas dire pincer. Qui agresse l'adversaire. Ouais, en tout cas, tout défenseur qui pinche, il y a une règle. Il faut que tu aies la rondelle ou le joueur. Tu ne peux pas manquer les deux. Puis dans le cas de Jack Hayes, il a passé dans la mythe. Il a passé en plein milieu entre la rondelle et le joueur. Puis ça a donné une échappée. On connaît le reste. Je ne sais pas si tu as vu la statistique. Suzuki contre Matthews ont partagé la glace à 5 contre 5 pendant 11 minutes 18.
Pendant ces 11 minutes, le Canadien a notamment eu l'avantage au chapitre des tirs, tenté 13 à 6. 8 à 3 en faveur du Canadien pour les chances de marquer et 1 à 0 en termes de buts lorsque Matthews et Suzuki étaient sur la glace. Statistique qui veut dire quelque chose ou statistique qui veut rien dire? Moi, je vais dire que ce n'est pas une surprise. Parce que, Matthews, c'est un excellent joueur, mais il triche très, très souvent. Et puis, c'est pas le seul dans le cas des Leafs. Regarde le but à Madison. Regarde lorsque la rondelle quitte le territoire du Canadien. Matthews, là, il est à la station de métro Lucien Lellier. Je vais dire, il est tout à fait en arrière. Il attend un revirement. Il attend un revirement. Il espère un revirement. Et puis là, il n'était pas monté sur le petit deux steps. Ça aurait ramassé dans le plat de bonbons à ma mère Gertrude. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, les Leafs. Les Leafs, là, si tu les laisses pas tricher et puis tu joues d'une bonne façon, puis t'es force à jouer 5 contre 5, 4 contre 4, 3 contre 3, je vais dire, c'est une équipe. Tu sais, Matthew, c'est pas le plus grand patineur. C'est un patineur qui est fort. Par contre, c'est pas un patineur qui est très rapide. Fait qu'en autant que tu perds pas une enjambée contre lui, tu seras jamais dans le trouble. En autant que tu le gardes à côté ou en arrière de toi, tu sais exactement il est où. Tu sais la position de la rondelle. Tu as une bonne position de corps défensive. Et tu seras pas dans le trouble. Mais c'est certain que, tu sais, tu regardes ses buts. Il est capable de se créer de l'espace parce qu'il va patiner vers toi. Il va arrêter, il attend que tu tombes en amour avec la rondelle, que t'es les deux yeux sur la rondelle. Oups, il se crée une distance. Et puis, tu sais, les Nylander, les Marner et compagnie, une chose qui sont, lorsque vient le talent offensif, ils sont là, on peut pas leur enlever ça. Donc, c'est pour ça que les Leafs, ça, c'est jamais une proie très, très difficile à abattre en série éliminatoire. Si t'es force à jouer défensif, si t'es force à jouer du hockey égal, ensuite de ça, la seule chance qu'ils ont, c'est les gardiens de but. Puis je suis obligé de te dire, bonne chance. Exact. Avec tout ça, puis c'est bizarre parce que je trouvais que Suzuki avait pas un bon début de match. Il était tout à sur le cul. Je sais pas, tu sais, la caméra nous a pas montré à un moment donné Suzuki en train de changer ses lames. Mais souviens-toi, il est tombé sur le derrière contre Nylander, qui se permet à Nylander. Puis ça, c'est un bel exemple de, tu sais, quand on dit la défensive homme à homme. Suzuki et Nylander tombent sur le cul. Nylander s'est envenu tout seul devant le gardien. Puis les gars avaient chacun leur gars, puis ils se disaient qui va lâcher le sien pour aller sur Nylander. La fameuse phrase que t'entends sur le banc des hockey mineurs, tous les systèmes d'homme à homme, j'avais mon gars, I've got my man. Mais c'est faux, c'est pas la bonne mentalité. Mais moi, le monde, à n'importe qui que j'ai entraîné, je disais tout le temps, les boys sur la glace, tu as toujours un minimum de deux jobs, tu as un maximum d'un million de jobs. Parce que je voulais les conscientiser que sois prêt à tout. C'est un jeu d'erreur. Quand tu as le meilleur système, quand tu as les mêmes joueurs, il va avoir des ratés. Tu vas perdre ton homme, tu vas tomber. Tu vas jouer contre un adversaire qui est plus vite que toi, puis soudainement, tu perds une enjambée, mais il y a quelqu'un d'autre, il faut qu'il vienne créer une situation de deux contre un. Tu ne peux pas laisser aller le joueur complètement, mais tu regardes le but à Madison. Là. Si quelqu'un me dit que les Leafs, c'est une équipe qui est rodée pour les séries éliminatoires, je te l'ai dit, regarde Matthews, là, il est dans le champ de framboises en arrière, puis il attend. Puis ensuite, je pense que c'est Matthew Nyes, le 19, je pense. Regarde-les tomber en amour avec la passe. Oui. Et puis Madison s'en va complètement en arrière de lui. Si Matthew Nyes reste avec Madison, il n'y a absolument aucun jeu. Mais une des grandes faiblesses du hockey, c'est en lecture de jeux défensifs. Les jeunes, les vieux, les professionnels, les gars de Ligue de bière tombent en amour avec la rondelle. T'sais, la rondelle le long de la rampe, la rondelle dans le coin, tu gagnes. Si ton gardien de but donne un lancer là, qui vient du bord de la barre, change ton gardien, puis c'est correct, c'est pas une question de système, c'est un mauvais but, c'est tout. Mais il reste que, tu sais, quand tu regardes les buts marqués, là, les joueurs se font hypnotiser. Tu croirais que Mesmer, il était à tous les matchs d'hockey, là. Hypnotiser les gars avec la rondelle. Mais je te le dis, regarde le premier but. Non, ils sont tous en ligne droite. Ils sont tous en ligne droite, les gars des Leafs. Écoute, sont magnifiques. Les deux patins qui pointent vers la rondelle, les deux yeux qui pointent vers la rondelle, le danger, là,
à 80 % du temps au hockey, toujours en arrière de toi. Fait que place-toi de côté, place-toi là, place jamais tes orteils. Si c'est pas toi qui es en couverture sur le porteur du 10, place jamais tes orteils vers la rondelle. Par où, les orteils? Place-toi de côté. Que tu aies un œil sur la rondelle, un œil sur qu'est-ce qui s'en vient. OK, ça veut dire que si la rondelle est à ma gauche, à 9h, il faut que mes orteils pointent à midi. Exactement. Okay. Exactement. Tu pointes vers l'enclave, tu vois qu'est-ce qui se passe dans le coin, tu vois qu'est-ce qui se passe dans l'enclave. Surtout, tu vois qu'est-ce qui s'en vient vers toi. Tandis que si tes orteils pointés vers la rondelle, comme Nice, la rondelle passe, puis là, ben, t'es tellement comme il est pris dans le jeu, puis là, soudainement, la rondelle... C'est pareil comme un chanceur au baseball là, qui joue juste en arrière du deuxième but. La balle est en arrière de toi, là. T'es fini. C'est la même chose au hockey. Garde-toi une distance que tu peux lire le jeu, puis tu peux récupérer. Puis même si, soudainement, tu penses que tu as fait une erreur, une bonne position défensive va te permettre de la corriger. OK, j'aime ça. Avec les statistiques, Suzuki s'est replacé. Là, il y a un moment donné, il a arrêté d'être le derrière. Mais si vous regardez le match, vous allez voir en première période, surtout autour de cette présence-là, c'était pas beau, c'était pas chic. Et donc, bon match pour Nick Suzuki dans l'ensemble. Et la question se pose, c'est un journaliste, j'oublie le nom, qui a écrit ça. Nick Suzuki est-il un futur récipiendaire du trophée Selke dans la Ligue nationale de hockey? Il y a même Ryan O'Reilly la semaine dernière qui a comparé avec les Kopitar de ce monde. Il n'a pas nommé Barkov, mais il a nommé les Bergeron Kopitar, ce qui n'est pas banal. Crois-tu un jour que Nick Suzuki pourrait être soit récipiendaire ou à tout le moins un finaliste? Aucun doute, je vais te dire. Moi, si tu m'aurais posé cette question-là au mois de septembre, je t'aurais dit absolument pas. Et il y a eu une transformation majeure dans Suzuki. Suzuki l'homme, Suzuki le joueur. Il a pris une maturité, il a pris une confiance. Puis, tu regardes aussi, c'est une combinaison de trio. Mais je pense que la clé de ce trio-là, évidemment, puis c'est correct, c'est comme ça que ça devrait être, c'est Suzuki, c'est le plus vieux, puis c'est le joueur de centre. Lorsque ton leader sur un trio, c'est un joueur de centre, bien, tu sais que tu es en bonne position parce que c'est ton joueur de centre là, qui est un peu le cerveau du trio. C'est lui, là, souvent, qui va communiquer parce qu'il est au centre des deux. C'est plus facile de communiquer à son ailier gauche, son ailier droit. C'est lui, des fois, qui va dire à ses alliés, « Allez-y, allez-y. » Si là, comme on monte les trois soldats, là, comme que j'appelle les trois lignes droites, ben, souvent le joueur de centre, là, il va dire hey, moi, je vais aller au filet ou je vais rester en retrait. C'est lui qui donne les commandes un peu. Puis avec un jeune Slavkovski, avec un Caulfield qui ne sera jamais un grand joueur défensif, ben, je pense que c'est une belle combinaison. Puis donne de la corde à Caulfield. Moi, je serais Suzuki, je dirais vas-y, toujours le premier. Vas-y. Ou c'est certain que Caulfield ne causera pas de grands dégâts en avantage en échec avant, mais un gars comme Slavkovski va le faire. Slavkovski, c'est le futur power forward du Canadien. Là. OK. Je t'amène du côté de Philadelphie. Écoute, les Flyers sont en visite à Tampa. On honore des anciens Lightning qui ont été coachés par Tortorella. Oui, c'était la fête à Torto. Et là, vas-y. J'ai texté André Roy parce que j'étais à RDS à la chambre, puis on a montré André Roy. J'ai texté André Roy, juste après moi, parce qu'on connaît la relation houleuse un peu entre Torto et André Roy. J'ai dit que Torto avait hâte de prendre une bière avec moi. Il s'est arrangé pour se faire sortir du match. Ah oui. je vais dire, mais... Mais là, attends, là. Il a été suspendu et mis à l'amende, OK? Parce qu'il a refusé de sortir de la patinoire. Ouais. Le président, le gouverneur des Flyers de Philadelphie, Dan Ilferty, a dit on va payer toute amende qu'on va essayer de donner à John Tortorella. Moi, je trouve que c'est une brillante idée. Ça montre une solidarité d'en haut en bas. S'il y a des joueurs qui disaient il est donc bien ticasse, lui, de faire ça. Puis que le gouverneur arrive et dit quelle solidarité, on va payer pour lui. Je trouve que ça rallie les troupes, non? Ouais, moi, j'ai été mis à l'amende une fois à Atlanta, puis je pense deux fois à Calgary, puis. Les équipes ont toujours payé. Je pense que c'est un peu la norme, mais qu'est-ce que j'aime de Ilferty? Qu'est-ce que j'aime de Daniel Brière? Qu'est-ce que j'aime de Keith Jones? C'est qu'ils ont le dos de Tortorella. Puis en ayant le dos de Tortorella, puis je ne parle pas juste de cet épisode-là, là, on lui donne la force que lui, là, c'est lui qui est deux mains sur le volant dans,
dans la chambre. Lui, il sait. Puis encore plus important, les joueurs le savent. Puis c'est pour ça que les Flyers, contre toute attente, ont quand même une bonne saison. Et moi, je pense que Torts, tu sais, il y a plusieurs facteurs là, qui ont fait que le volcan a sauté l'autre soir. Là. 4-0, c'en est un. C'était 4-0, il y avait quoi, 10 minutes de jouer à peu près. Là, il s'est fait mettre dehors à 10 minutes 49. Tu sais, Wes McCauley aime ça mettre la moutarde un peu, puis c'est correct. Tu sais, parce que autant les Wes McCauley que les Tortos, ces choses-là, ben, c'est rendu des exceptions parce qu'on est rendu des robots. T'sais, les coachs, on est rendu des robots. Les arbitres, on est rendu des robots. Ben, des robots parce qu'on n'a pas le droit de faire de show un peu. Tu sais, moi, là, il y a des équipes dans la Ligue américaine qui m'appellent, dans la Ligue Jean-Marie du Québec qui m'appellent, deux grosses équipes qui m'appelaient, puis ils me disaient, Bob, et tu t'en viens chez nous, tu vas-tu faire un show un peu en première période, ces choses-là. Là. Hey, on était des acteurs, puis tu sais, peut-être qu'il y a eu des débordements, mais aujourd'hui, là, je vais te dire, là, bientôt, là, on va nous menotter un poteau en arrière du banc, puis on va prendre un marqueur, puis on va tracer les deux pieds sur le plancher, puis t'auras pas le droit de bouger. Là. T'sais, Torts, c'en est un qui amène de la couleur à la game, ces choses-là. Lui, ou qui a fait l'erreur, c'est qu'il n'a pas voulu sortir du banc. C'est là que je pense que... T'sais, il ne sera pas fait suspendre pour s'être fait mettre dehors. Non, je reste ici. Non. Je m'en fous, je reste ici. Avec le pouce dans le plâtre. Ah ouais. Avec le pouce dans le plâtre pour Torts, mais il reste que... Tu sais, lui, sa première suspension, c'était avec moi dans le fameux, voilà. Dans le fameux match du Hockey Night in Canada. Lui, il n'avait pas été suspendu 6 matchs. Il avait été suspendu 15 jours par la Ligue nationale. Il n'avait pas le droit d'être aux entraînements. Ça avait été 15 jours qui lui avait fait manquer 6 matchs. Et puis, il y avait eu une amende de, je pense, c'est un autre 50 000. Je pense qu'avec Torts, on marche, si ma mémoire est bonne, là, je pense qu'on marche aux 50 000. Oui, c'est ça. Fait que c'est sa deuxième fois. Et puis, ben, je vais dire, pour, tu sais, tu disais, il y avait, tant qu'à moi, quelques raisons pour ça. Un, le fait de revoir sa gang de 2004, combiné au fait que les Flyers, avec l'addition que Patrick pousse dans le dos à tout le monde, là, présentement, tu sais, les Flyers, ils étaient à 5e un bout de temps. Là, ils sont rendus septième. Ils sont quoi, 4-5-1 au cours des 10 derniers matchs. Ils ont baissé d'une coche un peu pour. Puis je dis pas qu'ils jouent mal, tu sais. Je pense pas que soudainement, là, on a tombé le visage à terre, mais. On a perdu des matchs qui étaient proches, ces choses-là. Puis évidemment, ben, Torts, c'est tout le temps un volcan qui risque d'exploser en tout moment. Puis est-ce qu'il a fait ça un peu pour shaker son club? Peut-être que oui. Puis il n'y a rien de mal à ça, mais le fait qu'il ait été suspendu 2 matchs, ça, je pense que autant ça peut leur faire mal que de l'autre côté... Avec, tu sais, Philadelphie, Brotherly Love, là, ouais. Là, tout le monde est ensemble, puis tout, mais Torts et Daniel Brière, ils ont récréé ça. Parce que les joueurs vont dire, hey, ces 2 matchs-là, là, on les gagne pour Torts, peut-être. On va voir. Mais il reste que Patrick, comme c'est là, est en train de brouiller carte, et puis il cause des maux de tête à certaines équipes, le Tampa Bay, les Flyers, Détroit, Washington aussi. Washington monte aussi, donc je vais dire, on va avoir une belle course du côté de l'Est. On va s'en garder pour demain. J'ai même sorti les statistiques, 30 buts pour, 11 buts contre dans cette série de victoires. Mais ouais. Ils jouent contre les Kings ouais. Ce soir, puis je suis convaincu qu'il y aura une autre victoire. On regarde le sujet, copier-coller, on met ça dans la préparation pour demain, Bob. Salut, mon chum. Hey, salut, Bob, attends une seconde, attendez. Swipe-moi à gauche ou à droite. Ouais. Swipe-moi à gauche ou à droite. Swipe à gauche. Donc, swipe l'autre bord. Swipe l'autre bord. Mets ton doigt sur l'écran puis swipe-moi d'un bord. Hey. On doit sur l'écran là, pour mettre mon pied. Là, là. C'est l'affaire. Ce petit bonhomme, ça ne marche pas pantoute. J'ai peur que la face à Ben Roger. Mais non, ça ne marche pas pantoute. C'est vrai que tu n'es pas technologue. Hey, on t'aime. Moi, la dernière fois que j'ai touché une patente comme ça, là, c'était à mon atterri, j'avais 12 ans. Salut, mon Bob. On t'aime. Salut, mon chum. Bye.
La question, on l'a posée à Bob. Et la question, on vous la pose aussi. Nick Suzuki, récipiendaire du trophée Selke pendant sa carrière, oui ou non? C'est ça la question? Et à 72,4% les auditeurs qui disent que oui, il est un futur récipiendaire du trophée Selke dans la LNH. 3 personnes sur 4 qui sont convaincus que Nick Suzuki, un jour ou l'autre, va remporter le trophée Selke. Alors, voilà pour l'instant les réponses des auditeurs. Ben, le montage s'en vient dans quelques instants. Ouais. Au retour de la pause, tu vas nous le présenter. Oui, je vais vous le présenter. J'ai hâte. OK. Et également, il se passe toute une journée dans la NFL. Des noms qui ont changé d'équipe, vous n'en croirez pas vos yeux. Ben, surtout vos oreilles parce qu'on est à radio. Le meilleur intervenant football, Arnaud s'en vient. Facebook Live. 15h28, 29, c'est fait. Merci beaucoup d'avoir choisi BPM. Magnifique sur Montréal, en province également, Québec. C'est au 100,9, c'est très beau aussi. Et à Gatineau, Ottawa. 96,5. Très beau aussi. Très beau aussi. Également, 91,9 à Montréal. Mm-hmm. Ben, ouais. Avec le beau temps, ça prend un bon montage. Nous aurons donc la preuve irréfutable que Martin Lemay est souvent
dans sa tête. Et vous comprendrez aussi pourquoi on écoute le retour des sportifs partout dans l'univers. Je sais que c'était périlleux, une émission comme ça en satellite du côté de Québec. On aime ça venir voir notre gang au 100,9. Merci à vous, auditeurs précieux de BPM Sport. Quoi, tu ris? Toi, ça fait 20 minutes que tu ris. Puis tout ce que je te vois en zoom, j'ai aucune idée de quoi tu ris comme un... Non, c'est pas... Écoute, on dirait comme que Lise Dion est dans le studio. Non, non, mais ouais, ben, on est en diffusion par satellite. Mais là, il faut vraiment quitter les ondes parce que le satellite vient de nous dire qu'on est en train de dépasser les limites, là. Mon tabac. Quand certains soirs, tu t'ennuies trop, regarde dans le ciel, tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement. Un satellite. D'abord, on croit en une étoile, c'en n'est pas une, c'est moi dans ce Spoutnik. Mon tabac. Salut, salut, comment ça va? Ça va, ben, ça allait bien avant le montage de Ben. Je veux quand même me défendre. J'ai raison, Ben. Arnaud, tu vas être d'accord avec moi. Être en satellite, là, c'est une personne qui vit sous la dépendance d'une autre. Moi, j'étais dépendant de tout ce qui se passait en studio. J'avais besoin que tu me fasses signe qu'on y va, qu'on est en ondes, etc. J'étais en position satellite par rapport à vous autres. C'est exactement ça que ça voulait dire. Là, je sais que tu te moques. T'étais dans un Spoutnik. Dans ton Spoutnik. Si on n'était pas à radio, je te dirais ben. Arnaud, il y en a qui sont pas en satellite, qui sont assis dans une catapulte. On vient de couper la corde et ils viennent d'être expédiés. La valse des joueurs commençait aujourd'hui. Plusieurs gros noms, déjà, ont une nouvelle adresse. C'est incroyable, hein, quand même. C'est ça que ça fait quand t'es rendu avec une gang de directeurs généraux qui ont 35 ans, là, qui ont la testostérone dans le tapis, puis ils veulent prouver leur job, puis t'as des équipes à 80, 75, 80 joueurs, fois 32, qui là s'est rendu que c'est assez cowboy comparativement à ce que c'était à l'époque, qui était une ligue beaucoup plus rigide dans sa façon de transiger des joueurs. Maintenant, c'est assez exceptionnel la volatilité vraiment à laquelle on fait face là, à chaque saison morte depuis, je dirais, peut-être même un bon 4-5 ans. Mais ça a commencé la semaine passée, puis ça n'arrête pas aujourd'hui. C'est terrible. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent ça, mais ça me prendrait une dizaine de téléphones, je pense, pour suivre la parade. Là, comment ça va? Ma tête est en train d'exploser. Je suis en train de refaire la NFL au complet. Puis c'est quand même extraordinaire. C'est vraiment tout un spectacle, en tout cas, qui est belle fun dans la NFL moderne. Là. OK. C'est parce que ta tête a explosé que tu n'as pas ouvert ta caméra? Oh! Oui, exactement. Non, mais tu as absolument raison. Je suis dans mon ordinateur depuis un matin. OK, commençons tout de suite. Les gens qui nous écoutent, puis déjà, je choisis ce sujet-là parce que je suis pas sûr qu'on va être d'accord. Russell Wilson, ce que tout le monde s'attendait, signe un contrat d'une saison avec les Steelers de Pittsburgh. Et toi, là, de même, sans gêne devant tout le monde, t'es prêt à prédire le premier rang aux Steelers? Ouais. Ouais. Écoute, Joe Burrow, là. Commençons avec Joe Burrow. Mm-hmm. Joe Burrow, il est cute. Il a des belles lunettes. Il s'habille bien. Oh, il est pas capable de souterrains. Il a fait des câlins à Donald Trump en fin de semaine. Je sais pas si tu as vu. Ah ouais, avec Nick Bosa qui rit pour la première fois de sa vie. Oh, ouais. Ça, c'est. S'il y en a qui ont suivi un peu toutes les sagas de Nick Bosa, avec son. En tout cas, ça a fait plaisir à l'Internet de voir Nick Bosa saluer Donald Trump. Mais il est pas capable de rester en santé, Joe Burrow. Il est pas capable de rester en santé. Donc, est-ce que je suis capable de mettre mon argent sur Joe Burrow? Non. Lamar Jackson, là, on va voir. McDonald qui quitte pour Seattle. Déjà, Patrick Queen vient de signer il y a à peu près 38 secondes, là, quand je te dis que ça y va en temps réel. Patrick Queen va le suivre. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont quitter pour aller ailleurs cette année du côté des Ravens? C'était une première année avec Lamar et Todd Monken. Là, tout le monde va avoir une année pour se recentrer, savoir exactement ce qu'ils font, quel genre d'équipe c'est. On va être capable de s'ajuster. Cool. Les Steelers, c'est année après année, c'est une saison gagnante.
on le sait, c'est ce que Mike Tomlin fait. Ils ont eu 10 victoires l'année passée avec Kenny Pickett et Mitch Trubisky. Si TJ Watt joue toute une année et Russell Wilson joue, disons comme il a joué l'année dernière, avec Arthur Smith, George Pickens, une bonne ligne à l'attaque, une bonne équipe autour de lui, moi, je donne 12 victoires aux Steelers. Est-ce que ça leur donne la division? Moi, je pense que c'est l'équipe qui est la plus posée, balancée. Pour moi, qui me donne l'impression que l'année prochaine, je n'aurai pas de surprise, je vais juste avoir là, quelque chose de mieux. Arnaud, que j'adore, là, je t'adore. Tu viens de me dire, on parlera pas des Bengals, Joe Burrow pas capable de rester sur le terrain. Puis dans ton envolée pulmonaire pour les Steelers, tu me dis si TJ Watt reste en santé. Ce qui est bon pour Kiki est bon pour Coco. TJ Watt finit rarement une saison. Et si tu es pour prendre en considération les blessures de Joe Burrow, faut que tu prennes en considération les blessures de TJ Watt. TJ Watt, c'est un allié défensif. C'est pas un corps arrière tout étoile sur lequel je base mon équipe non plus. Faisons des prédictions comme si tout le monde était en santé. Commençons pas à prédire des blessures. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. C'est impossible. Martin, tu dis, tu rencontres quelqu'un qui te ment 10 fois de suite à les 10 dernières fois, puis tu dis là, je vais faire comme s'il ne mentira pas. Faut que tu prennes en considération. Sinon, Mané, je veux dire, regarde, t'es directeur général. Je peux te le dire d'une autre façon, là, t'es directeur général, n'importe quel sport, t'es un joueur qui se blesse à chaque année. T'es directeur général, Martin, tu fais comme si ça n'existe pas ou tu fais comme si ça existait? Ben, dans le cas de Kirby Dack, je vais faire comme si ça n'existait pas. OK. Mais admettons que tu aurais un contrat. C'est parce qu'il est jeune. Parce qu'il est jeune, puis il a peut-être pas eu. Joe Burrow, pas vieux. Il est pas vieux, mais je veux dire, ça fait 2 fois là, qu'il rate une saison à peu près au complet. Là. En quoi? Ça fait 4 ans qu'il est là? 2 en 4. Ça commence à laisser un bémol. Là. Mais tu n'as pas organisé une équipe extraordinaire autour, t'es sûr qu'il est bien protégé non plus. Moi, je vois que c'est un bémol un. Là, dans, moi, je dans vois la carrière. 3 pour 1 là-dedans. Si tu veux prendre les Steelers puis tu me donnes les 3 autres équipes pour la AFC North, j'embarque. Oh ouais, je suis prêt à faire ça pour vrai. OK. J'embarque. Moi, je pense que les Steelers, c'est l'équipe qui me fait le moins peur de toute la gang. On ne peut pas parler de Cleveland. Cleveland. Deshaun Watson, là, son montant vient de rentrer dans le cap. Ils sont pas sortis de l'auberge, Cleveland. Là. Moi, je mettrais. Si j'avais à mettre 100$ là, pour essayer d'avoir mon 100$ à la fin de l'année, je le mets sur les Steelers. Toi, tu le mets sur qui? J'ai dit 3 pour 1, je prends 3 autres. Ben là. Mettons, donne-moi une équipe dans les. OK, quelle équipe des 4, toi, t'es sûr que tu pourras retrouver ton argent l'année prochaine? Les Ravens, qu'est-ce qu'ils ont perdu, les Ravens, pour sur le terrain pour pas être là? L'honneur de se faire sacrer une volée. Ils ont perdu l'honneur. Non, écoute, je trouve la discussion, écoute, on a fait un sujet à date. La discussion, je pourrais faire un show de 2 heures sur la AFC. J'aime ça. Puis, tu sais, rappelle-toi, là, ils viennent de le signer pour 1,2 million. Là. Donc, ça leur coûte rien. C'est un avantage net sur tout le monde de la division. Et de l'américaine, tu sais, je veux dire, signer un carrière qui était quoi, 26 passes de toucher, 8 interceptions, je pense, cette année, qui était classé dans le top 5 d'après chaque top 7, top 8 de chaque statistique, qui était pas phénoménal, mais que t'avais une performance genre, tu sais, Kirk Cousins, Baker Mayfield, Dak Prescott dans ce monde-là, à 1,2 million, t'es mort de rire d'à peu près 40 sur toutes les autres, là. Ah ouais, là, j'ai demandé au gars de me sortir une statistique sur Russell Wilson, comme je t'ai dit, qui attaquait plus les zones profondes. Mais étant donné que je vieillis, je suis pas capable d'agrandir mon écran, je vois pas, j'ai pas amené mes lunettes, j'ai oublié mes lunettes. Je vais demander à FX avant la fin du show qui me donne le pourcentage. On a le site tout, puis je viens d'ouvrir, je suis pas capable d'aller. Mais moi, je suis convaincu, en plus, dans ton argumentaire, Russell, c'est plus Russell. Russell va faire de la West Coast, et si tu penses que les Steelers vont gagner avec nous, on fait les choses différemment, avec notre défensive et notre Steelers way, peu importe qui est notre corps, on lui demande pas de nous gagner des matchs, on lui demande juste de pas nous perdre des matchs. Si c'est ça ton argumentaire, parce que c'est pas Russell Wilson des belles années avec les Seahawks que t'as, là. Non, mais t'as quand même un Russell Wilson qui était 26 passes de toucher, 8 interceptions l'année dernière. T'sais, c'est ça. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité que t'avais l'année dernière. Puis il a pas fait honte à personne l'année passée, là. Oui, il jouait pour un très bon coordinateur à l'attaque en Sean Payton. Ça, c'est clair. Qui réussit toujours à hausser le talent offensif autour de lui. Ça, c'est sûr. Mais Arthur Smith, au poste de coordinateur offensif, là, c'est pas exactement ça qu'il a fait avec Ryan Tannehill à Tennessee. Tu me diras que c'est peut-être pas ça qu'il a fait avec Atlanta. Atlanta, il était pas dans le même poste. Il était entraîneur-chef. Moi, je pense qu'il revient dans ses bottines comme coordinateur à l'attaque.
dans un schéma offensif où il va pouvoir faire en sorte d'avoir à peu près le même rendement, je pense, ou peut-être un peu en bas de ça, de ce que Sean Payton était capable de faire avec Russell Wilson. On s'entend, c'est des années-lumière en avant que Kenny Pickett puisque Mitch Trubisky était capable de faire sur le terrain. Et Russell, a 4 matchs contre les Raiders et les Chargers. Là, tu te souviens-tu du coach, comment il était bon défensivement? Là, il s'en va jouer contre le meilleur joueur défensif de la Ligue, Myles Garrett, 2 fois. Il va jouer contre la défensive des Ravens, 2 fois. Qui ont perdu leur coordinateur défensif. Que les Browns viennent d'avoir le cap de Deshaun Watson, donc le 60-quelques millions vient de rentrer, ils vont perdre des joueurs défensifs. C'est pas la même réalité, là. Cleveland n'aura pas la même défensive cette année qu'il y avait l'année dernière. Browns, à eux de me le prouver, mais les Ravens, les Ravens viennent de perdre peut-être le meilleur coordinateur en défensive de la Ligue cette année, qui s'en va en promotion comme coordinateur, comme entraîneur-chef à Seattle. Ils seront peut-être pas le même calibre, là, fort probablement qu'ils seront pas le même calibre. OK. Donc, il faut que tu prennes ça en considération aussi. Là, c'est les Steelers en ce moment qui ont le plus de stabilité dans cette division-là. Ouais. Comme dirait Keanu Reeves dans Clanche, on va clencher le prochain sujet. OK. Barkley s'en va du côté des Eagles de Ben Roger. Superbe nouvelle. On va pouvoir revoir certains jeux, j'en suis convaincu, de Jalen Hurts, les jeux de lecture de autant de pass, de play action, voyons donc, fait longtemps que je n'ai pas parlé de football, autant de play action que les reads avant de donner le ballon pas à Barkley. Moi, je te vois ça d'un très bon œil pour Ben Roger et ses Eagles. Je trouve ça très cher payé, honnêtement. Moi, je le vois pas tellement d'un bon œil, honnêtement. Je trouve que Harry Roseman a fait des coups un peu surprenants aujourd'hui. Le Bryce Huff des Jets, il a donné à peu près 50 millions. Un gars qui me fait peut-être penser, qui peut-être lui aussi fait penser à Trent Cole. Petit joueur ailier défensif il a eu beaucoup de succès avec les Jets, mais qui n'était pas nécessairement le joueur tout étoile des Jets. Donc, il faisait partie d'une rotation. Et Saquon, c'est cher payé pour un gars, je trouve, qui n'arrive pas à être en santé nécessairement depuis le début de sa carrière. On ne paye plus les porteurs de ballon. Howie était le meilleur d'aller trouver un gars comme DeAndre Swift l'année passée, puis le payer pour des peanuts, puis après ça, le sort de là quand ces gars-là veulent être payés. Faites la même chose avec Sanders l'année d'avant qui a fini avec les Panthers, et là, fait l'inverse. Dans un moment où tu essaies de nous faire croire que Jalen Hurts est ton carrière, je ne veux pas repartir un autre chicane, mais pour moi, c'est pas Howie qui vient de faire « bon, ben écoute, Jalen n'est pas capable de le faire tout seul ». Fait que j'ai besoin d'un porteur de ballon tout étoile, puis je me croise les doigts qu'il est en santé. Moi, c'est ça que j'ai vu dans cette annonce-là. Puis encore une fois, je trouve ça risqué face à un gars qui n'est pas capable d'être en santé. Et là, tu te reviens à avoir un gros cap dans une position que personne ne paye, avec un carrière que tu as clairement besoin d'aider, on dirait, dans les décisions que Harry est en train de prendre. J'ai hâte que la saison commence, on s'entend sur rien. Bien meilleure ligne offensive, même avec le départ de Jason Kelce. Il n'y aura jamais une ligne comme ça avec les Giants. Et il est double c'est menace ça. Avec Jalen Hurts au lieu d'avoir... l'autre, là, mais pourquoi tu veux payer pour un porteur de ballon si t'es les Eagles, si tu l'as jamais fait avant, pourquoi là tu veux le faire? Parce que c'est Saquon, il mérite ça pour vrai? Je sais pas. Parce que t'as tous les outils, c'est tout ce qui te manque. T'as un tight end, hey, là je cherche mes jours. T'avais DeAndre Swift l'année dernière, mais il avait fait quoi DeAndre Swift avec les Lions pour qu'il laisse partir comme ça pour une recrue? Mais c'est parce que personne ne veut payer un porteur de ballon. Personne ne veut le payer. Moi, j'adore ça. C'est tout clairement. Ils ont l'ailier rapproché. Ils ont les receveurs de passe. Ils ont la ligne offensive malgré la perte de Jason Kelce. Do it. Do it pendant que c'est. Mais j'adore ça. Sais-tu comment on va avoir du plaisir pendant la saison? Kirk Cousins signe 4 ans avec les Falcons et les Buccaneers de Tampa Bay gardent Baker Mayfield. Ouais. Qui est la meilleure équipe dans la NFC South? Ben, moi, je pense que Kirk Cousins est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue. Je veux dire, partout où il passe, il réussit à avoir du succès malgré l'environnement autour de lui, ce que je ne suis pas sûr que Baker est capable de faire. Moi, je pense que Baker a eu une belle année l'année dernière. Là, ça va être autre chose cette année. Moi, je pense. Écoute, tout est le vent est dans les voiles du côté des Falcons. J'aime l'acquisition de Kirk. Je le trouve bon. Il est bon, Kirk. Puis il nous prouve constamment tort. Donc, je vais donner le bénéfice du tout à Kirk Cousins qui arrive à Atlanta avec une belle gang autour de lui d'armes offensives avec lesquelles il ne va pas utiliser. Un fin négociateur, ce Kirk, en tout cas, pour un gars qui... Son stock a tellement monté dans la série quarterback. Là, tout le monde tombe en amour avec lui. Là, c'était comme le voisin que tu voulais avoir. Là, c'était le meilleur gars du monde. Mais on va te dire qu'il compte ses scènes, Kirk. Ça ne va pas aller à Atlanta sur un deal de... Un deal que sa femme vient d'Atlanta aussi, d'ailleurs. 184 ans, c'est ça? 150 pour 4 ans.
C'est du gros cash. C'est du gros cash. 150 pour 4 ans, mais quand tu penses à ça depuis le début de sa carrière, c'est 411 millions jusqu'en 2027. 329 de ces 411-là étaient garantis au complet et une victoire en séries éliminatoires depuis 12 ans. Pas payé pour le gars. Pas pour le gars qui est sorti en arrière de RG3, tu aurais dit tu vas faire 400 millions. D'après moi, il n'était pas sûr. C'est ça. Dis-moi donc, est-ce que les Packers ont gardé leurs deux porteurs pour aller chercher Josh Jacobs? Je sais pas encore les détails de ça. Là. C'est fait partie des what the fuck moments de la journée. Là. Josh Jacobs s'en va à Green Bay. Je comprends pas trop. J'ai pas vu les détails du contrat non plus. Ça me laisse un peu pantois. Là. Je veux dire, je sais pas trop c'est quoi le plan de Green Bay par rapport à ça. Est-ce que c'est un élément pour peut-être transiger Aaron Jones? Ça se peut, il a été blessé aussi. Josh aussi. Mais je pense pas que Josh Jacobs cherche un contrat de... Tu sais, je pense pas que c'est un plan d'avoir deux porteurs en tandem. Là. Josh Jacobs, c'est un numéro un. Aaron Jones, c'est un numéro un. Fait que je comprends pas trop ce qui vient de se passer à Green Bay, pour être honnête. Il y a tellement de noms qui se promènent. J'étais après à regarder filer la liste. C'est terrible. Juste Chris Wilkins aux Raiders. Blocker défensif vient de signer en haut de 100 millions avec Max Crosby. Moi, je pense que c'est une des raisons, c'est que les Raiders vont jouer contre Greg Roman puis Jim Harbaugh, qui ont dit à tout le monde qu'ils allaient courir la balle. On joue contre Sean Payton puis Pacheco, qui s'est rendu que les Chiefs courent la balle. Mais je ne vois pas des équipes dépenser très cher pour des plaqueurs défensifs qui ne sont pas genre Chris Jones ou Aaron Donald qui ont des sacs du corps et qui ont du succès. Je ne le vois pas. Et je ne crois pas que c'est bon patcher contre ce que les équipes font. Je pense que c'est bon juste de faire des affaires à toi et d'être meneur dans ta division. Je ne pense pas que les Raiders ont fait un grand... Je ne crois pas à Wilkins aux Raiders que ça va avoir un impact important. Là. Quand je dis souvent là, que nos auditeurs de BPM sont excellents, Jacob et le 418-951 nous informent que 15 minutes, les Packers ont laissé aller Aaron Jones, qui avait été très bon en série pour eux autres. Bon, wow. Ben voilà, wow. tout s'explique hein, de ce côté-là. Ouais. Okay. Un pilier, en tout cas, de cette équipe-là. OK, regarde, on s'en garde. Il va sûrement avoir des grosses nouvelles encore qui vont se signer. Fait qu'on va se reparler au courant des prochains jours. C'est complètement hallucinant ce qui se passe en ce moment. Merci, mon chum. Allez, salut. Bye. On voulait regarder rapidement ce qui s'était passé aujourd'hui à l'entraînement parce qu'il y a des sujets qui m'ont fait un peu sursauter, je vous dirais. Oui, tout à fait. Ben, d'abord, la première nouvelle, Kaelin Primo sera devant le filet demain pour le Canadien contre les Blue Jackets. J'ai sorti quelques extraits de Martin Saint-Louis que je trouvais intéressants. Comment Martin Saint-Louis voit la saison de Joel Armia cette année? On se rappelle qu'Armia a débuté la saison dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval. Qu'est-ce qui est arrivé avec Joel Armia et comment Martin Saint-Louis voit sa progression? Voici son commentaire. Mais je te dis pas c'est un progrès dans son jeu. Je pense qu'il est dans une bonne place mentalement. Je pense que ça part de là. C'est un progrès là-dedans. Puis ça paraît dans tout le reste de ses actions. C'est pas comme si on avait ramassé Joel dans un échange. On l'a rebâti à l'intérieur. T'sais. Fait que non, on est très content, on est très fiers de lui. Puis c'est de continuer, c'est du jour à jour. On l'a rebâti de l'intérieur. Ouais. Comment tu trouves le fait qu'on ait rebâti Joel Armia de l'intérieur? Je suis un peu sceptique sur celle-là. Sceptique? Je suis sans connaissance. Ça semble drôle, on l'a rebâti de l'intérieur. On l'a rebâti de l'intérieur. Non, mais c'est une expression anglophone qui a traduit, l'expression est correcte. Ouais, je sais mais bien. Pour mais pour vrai, là, dis-moi quelqu'un, puis il joue mieux, là, Joel Armia, là. Mais dis-moi quelqu'un qui regarde Joel Armia puis qui le remarque. T'sais, moi, samedi, là, ben, j'ai regardé dimanche le match, là. Puis, je suis pas assis dans mon divan en train de faire « Hey, hein, Joel Armia, joue une grosse affaire. » Ou dire « Hein, je pense que Joel est là, sinon le Canadien sera pas dans la game. » Ou encore « Hein, il joue gros, Joel Armia, hein, pour tabarnouche. » Pour vrai, là, Joel Armia, là, ce n'est ridicule. En 20-21, 14 points. 21-22, 14 points. 22-23, 14 points. Ceux qui disent que Joel Armia est pas constant... on a des belles preuves, là. Il est constant. Il est constant, ouais, dans des que ce soit en 41 matchs ou en 60 ou en 43 matchs, tout le temps 14 points. Il arrive cette année, il en fait 16. Hey, on l'a rebâti de l'intérieur. Il y en a deux de plus. C'est surtout quand tu vas te ramasser dans une reconstruction qui va être sur le bord de se terminer. Joel Armia sera pas parmi les attaquants que tu vas avoir en premier plan dans ton organisation. Tu sais, je serais capable d'accepter. Il est plus heureux à la patinoire parce que. C'est vrai qu'il est plus heureux. Mais, tu sais, je veux dire, à part d'être content pour lui, sa conjointe et ses enfants, s'il en a, je veux dire, pour ses camarades de tri... Tu comprends?
C'est gros, là, comme. Puis j'adore Martin Saint-Louis. Ça change en rien ce que je pense du gars ce qu'il est en train de faire avec le 15e de Montréal. Mais de là à dire, on l'a rebâti de l'inside out. Je sais pas. C'est-tu juste moi qui trouve que c'est un peu. Non, c'est un peu bizarre. Je vous rappelle quand même que Yoel Armia est le cinquième attaquant le plus payé cher par le Canadien, là, le plus cinquième plus gros salaire en attaque chez le Canadien. J'ai même regardé. 3,4 millions de dollars. Quand j'ai entendu, on l'a rebâti de l'intérieur, j'ai fait tabarnouche, j'ai manqué des matchs, c'est sûr. Là, non, pas du tout. Le monde dit non, Martin, mais tu sais, écoute, j'étais un des seuls défenseurs de Yoel Armia. Souvenez-vous, la division canadienne, il jouait bien avant de se faire geler comme une bine puis d'avoir une commotion. Récupérait des rondelles, puis j'ai toujours défendu le fait qu'il était un des seuls à sur la récupération de rondelles. Souvent, là, il va ressortir avec elle lorsqu'il est à un contre un avec quelqu'un. Il a un point dans ses 5 derniers matchs. Il joue en carrière avec toutes ses saisons de 14 points. Là. 14-42, 13-43, 14-56 et cette année 14-59. Si vraiment vous l'aviez rebâti de l'intérieur, pourquoi vous jouez encore 14 minutes 59? Pourquoi vous ne jouez pas 18? Hey, il est rebâti. Il a de 2 points de plus. Tu comprends-tu? Ah, je comprends. On a sûrement un autre... Un petit clip. Un petit dernier. On lui a posé la question en fin de point de presse. On lui parlait d'Andy Reid, à quel point c'est un bon enseignant dans la NFL. C'est le coach qui a remporté les deux derniers Super Bowls. Y a-tu un parallèle à faire entre l'enseignement qui se fait en tant que coach dans la NFL et celui qu'on tente de faire dans la LNH? Voici ce que Martin Saint-Louis avait dit. Comment que la Ligue est jeune? Dans une vingtaine d'années, les agents libres, il y avait 31 ans. Fait que c'était une Ligue beaucoup plus vieille. Fait que c'était beaucoup plus dur pour un kid de 18-19 ans de faire sa place dans la Ligue. Puis c'était pas une Ligue de développement nécessairement, mais à ce stade, depuis que la Ligue est beaucoup plus jeune, les jeunes joueurs vont chercher des gros contrats à 22 ans. Puis c'est même pas encore des produits finis. Fait que faut que t'aies un thinking de développement, c'est sûr, parce que tes joueurs, c'est pas des produits finis. Ça, c'est magistral comme... D'accord pour dire que le thinking change Ben oui, parce que combien de fois on a entendu des coachs dire la Ligue nationale de hockey n'est pas une ligue de développement. Et là, de dire ça a changé, on développe des gens et on leur donne le gros salaire avant même que ce soit un produit fini. Il parlait de Caulfield, surtout là-dessus. Là. Mais c'est bien correct là, de dire tout ça parce que ça nous permet de comprendre ce qu'on a à comprendre. Mais c'est encore le partisan payeur qui paye pour une ligue de développement. Pour moi, j'ai encore un inconfort avec ça de dire mon inconfort par rapport aux Canadiens. Les Canadiens, à un moment donné, il fallait reconstruire cette équipe-là. Mais il ne faut pas tomber dans un cycle de reconstruction aux 10 ans sous prétexte que bâtissez-les comme il faut. Arrangez-vous pour avoir des choix repêchage en banque et surtout de repêcher les bons. Parce que le nerf de la guerre, c'est que le tuyau soit toujours plein d'espoir et non pas de peut-être. Ça, si tu ne réussis pas à repêcher comme il faut, t'es mort. Ben, on le voit dans les équipes qui reconstruisent actuellement, mis non, à part le Canadien. Là, faut pas que tu te trompes. Non. Puis après ça, si t'es chanceux, tu vas ramasser un gars balotage, un gars dans une transaction pas chère. Forsling avec... Les Panthers. Les Panthers, Montour. Ouais. Hey, deux de leurs top 4 qui ont ramassé de même pas cher. Fait que c'est pas juste le repêchage. Mais quand ils ont eu les hauts choix, Barkov, t'as pas trompé. Non. Ekblad, pas trompé. Tu peux pas te tromper quand tu repêches. Bref. Bien content d'avoir entendu ça. On va aller au Sport Flash avec Ben Roger. Sport Flash. Martin Saint-Louis a même dévoilé aujourd'hui l'identité de son gardien en vue du match de demain, Ben. C'est Kaden Primeau qui Woohoo! Obtiendra le départ demain. Martin, qui ne se peut plus, c'est son homme. Alors, Kaden Primeau obtient le départ. Le Canadien qui était à l'entraînement du côté de Brossard en vue de cet affrontement face aux Blue Jackets demain. Après la pratique, Martin Saint-Louis a discuté du défi qui attend le tandem de gardien de but dans l'équipe, on l'écoute. Tu veux toujours avoir une bataille à l'interne. Je pense que ça pousse les gars. Puis ça les amène à un autre niveau, peut-être. T'sais, tu veux toujours essayer d'améliorer la chaise que t'es dedans. T'sais, que ce soit un gardien, que tu sois un défenseur ou un avant. Puis tu fasses la job de la chaise que t'as. Mais maintenant, faut pas t'avoir peur d'en envoler une. Puis ça fait partie de cette ligue-là. C'est compétitif à l'interne, à l'externe. Puis faut que tu sois alerte.
Le club a également procédé à une transaction mineure. Nathan Légaré qui prend la direction du New Jersey en retour d'Arnaud Durandeau qui viendra aider le Rocket de Laval. Quatre matchs LNH ce soir. Les Blues sont les visiteurs à Boston. Les Devils qui affrontent les Rangers au Madison Square Garden. Les Capitals qui rendent visite aux Jets à Winnipeg. Les Kings qui reçoivent les Islanders de Pat Roy à Los Angeles. Les Islanders qui tenteront de signer une septième victoire de suite. Les Ducks ont annoncé que la saison de Tristan Luneau est officiellement terminée. Le Québécois qui avait raté l'entièreté du championnat mondial junior en raison d'un virus auquel il tente toujours de se remettre. Les Sénateurs ont annoncé que Josh Norris, allait rater le reste de la saison également à la suite d'une opération à l'épaule. Et le gardien des Canucks, Thatcher Demko, devrait être tenu à l'écart du jeu pour une période de 2 à 3 semaines en raison d'une blessure à un genou. Ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL, ça a bougé beaucoup aujourd'hui. Russell Wilson qui signe avec les Steelers de Pittsburgh, contrat d'un an seulement, 1,2 million. Mais évidemment, il y a des dollars qui vont provenir des Broncos de Denver. Alors, c'est pas seulement 1,2 million pour Russell, n'inquiétez-vous pas pour lui. Baker Mayfield prolonge à Tampa Bay. L'entente est de 3 ans. Ça vaut 116 millions de dollars, dont 50 garanties. Kirk Cousins, qui est maintenant un membre des Falcons d'Atlanta, contrat de 4 ans, 180 millions de dollars. Tony Pollard signe 3 ans avec les Titans du Tennessee. DeAndre Swift s'entend avec les Bears de Chicago pour 3 ans, 24 millions de dollars. Et je t'entendais avec Arnaud tout à l'heure, Martin. La signature des Eagles te plaît. Saquon Barkley. Ça lui rapportera 37,75 millions de dollars, cette entente de 3 ans pour Saquon Barkley. Avec la ligne offensive des Eagles et Jalen Hurts, tu considères que c'est un ajout important? Ouais. Puis j'ai cherché peut-être mon français. Peut-être un peu trop payé. S'il produit sur le terrain, il n'y a personne qui va dire ça. Mm-hmm. Je cherchais mon français tantôt, tu sais, avec les play action, les. Je sais plus comment on dit football en français. Play action, c'est fin de course. Ouais. Ouais. Comment on traduit en français? Là, j'ai un caillot, moi aussi. Moi aussi, j'ai un caillot. Et le caillot, pas dans ta crampe, le caillot le plus long que j'ai eu, c'est le fameux RPO. J'étais pas capable de le traduire en français. Donc, tout pour ces jeux qui se passent entre le quart et le porteur de ballon, je pense que ça va être excellent. Aussi excellent, Ben, que le choc des idées qui s'en vient. Parce que Jacques Martin va être là en compagnie de Jason Pomainville à la suite de cette première entrevue de Pierre Dorion depuis son congédiement avec les Sénateurs d'Ottawa. Il a été question de Brady Tkachuk et de son rôle de capitaine. On va poser la question à Jacques Martin. Bougez pas. Au retour, ça va jouer dur dans le trafic. C'est l'heure de pointe la plus physique au Québec. 15h57, le choc des idées. 16h33, le shift de Mathias Brunet. Et on s'en va dans le vestiaire du coach Bob Hartley dès 16h58. Ça va être du sport.
Oui, on ne pourra pas dire qu'on n'est pas branché sur les gars qui sont dans la game, parce qu'aujourd'hui, on a Jason Pominville en direct de Boisbriand. Il est dans ses bureaux de l'Armada. Salut, Jason. Non, je suis à l'aréna de Repentigny en ce moment. Je suis branché, mais à l'aréna de Repentigny. Ah, veux-tu me laisser dans mon rêve? Tu avais ton veston, tout ça, tu avais l'air de... Ça avait l'air Big Shot. Mais lui, en tout cas, à moi qui ai décoré son bureau chez eux aux couleurs des sénateurs, il est en direct de l'aréna des sénateurs d'Ottawa. Jacques-Martin, salut! Salut, Martin! Comment ça va? Ça va bien, toi? C'est chez vous, ça, ou c'est ton bureau à l'aréna? C'est le bureau à l'aréna. Canadian Tire Centre. Bon. Jacques, qu'est-ce qui est le plus long sur ton mur? La liste des blessés ou le roster? La liste des blessés semble s'ajouter à chaque partie, là, mais que veux-tu? Il n'y a pas rien que tu peux faire. Ça donne une opportunité à d'autres jeunes joueurs. Jacques, j'ai eu le privilège d'avoir Pierre Dorion en entrevue vendredi. Il donnait sa première entrevue depuis qu'il a quitté les sénateurs d'Ottawa. Et j'ai posé une question sur Brady Tkachuk. C'est moi qui ai amené le sujet. Il a été à la défense de Brady Tkachuk. On a déjà parlé un peu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus. Je me demandais si Brady, c'était pas quelqu'un qui acceptait pas de partager le leadership. J'ai l'impression qu'il prenait tout sur lui-même et peut-être qu'il avait besoin de leadership extérieur puis qu'il accepte de partager ce leadership-là sans rien enlever aux joueurs, sans rien enlever aux intentions du joueur. Et voici la réponse de Pierre Dorion. Je pense que c'est un capitaine superbe. Je pense que comme tout jeune capitaine, tu dois trouver ton rôle dans la chambre, savoir quand parler, savoir quand pousser certains autres vétérans, savoir quand demander que ce soit à Thomas ou à Claude Giroux, ses assistants, ou que ce soit à Hamonic, de l'aide des fois. Parce que pas personne ne peut prendre ce rôle-là tout seul et faire tout seul, mais je pense que c'est un capitaine exceptionnel. Jacques, comme je t'ai dit, c'est moi qui l'ai amené sur ce sujet-là. Tu as vu qu'il l'a défendu dès le départ. Puis je pense que c'est Bob, la semaine passée, qui m'a même dit que Tkachuk va profiter de ton expérience pour comment être un bon capitaine. Puis c'est drôle parce que tu es là, mais on a aussi Jason qui était capitaine de son équipe. Je te laisse y aller, Jacques. C'est sûr que Brady est un excellent capitaine. Je pense, premièrement, de ce que tu parles d'un capitaine, le premier critère important, c'est de jouer la game de la bonne façon. Puis si on regarde la façon que Brady joue, c'est un gars qui est exceptionnel devant le filet, protège bien la rondelle, distribue la rondelle. C'est un gars qui est physique. C'est un gars qui s'implique, va défendre ses coéquipiers. Donc, beaucoup d'éléments qui sont très positifs puis qui fait de lui un excellent leader. Mais comme dans n'importe quelle équipe, je suis sûr que Jason va en parler. Tu sais, c'est pas seulement une personne. Tu sais, c'est un groupe que tu as de leaders parce que tu as différentes personnes. Puis différents joueurs amènent certaines dimensions. Puis j'ai eu l'opportunité de travailler avec Sidney Crosby, vraiment un des meilleurs leaders. Mais quand même, d'autres joueurs qui amènent certains éléments, comme Chris Letang qui est un assistant, d'autres gars qui amènent d'autres dimensions, qui complémentent ton capitaine. Puis dans le cas de Brady, je pense qu'il faut parler de Claude Giroux. Claude, c'est un vétéran de 35 ans. C'est un gars qui a beaucoup de vécu, qui a passé à travers des expériences. Donc, ces choses-là aident ton capitaine dans des fois des situations que lui n'est peut-être pas familier. Donc, c'est sûr qu'on est choyé sur ce point de vue-là. Puis, que c'est un groupe qui prend en charge de leadership aussi, qui aide à supporter le capitaine. Jason, toi, tu as été capitaine en plus. C'est bon ce que Jacques dit. Ça veut pas dire parce que tu es capitaine que tu as tous les outils. Tu sais, il y a plein de choses que Brady fait bien. Il y a d'autres choses que ça peut être partagé dans le groupe de leadership. Pierre Dorion m'a même dit en joke que Thomas Chabot organisait mieux les parties que Brady, tu vois? Oui, ça, il y a tout le temps un joueur par équipe qui est un petit peu mieux, un petit peu meilleur que les autres pour s'occuper des parties, ces choses de même. Mais c'est sûr que, comme Jacques a dit, je crois beaucoup au leadership par comité. Là. C'est dur que c'est très rare maintenant que ça va être seulement un gars. Dans le cas de Brady, il est quand même bien entouré.
L'addition de Claude Giroux, Thomas Chabot qui est là depuis un bout. Tu veux avoir un capitaine qui va, tu sais, qui risque de faire partie de l'équipe pendant plusieurs années. Moi, dans mon cas, quand je l'ai été, j'étais super bien entouré de, tu sais, il y avait Robin Regier qui était là, tu sais, Mike Greer qui était là, Jochen Hecht, puis on avait un groupe de jeunes joueurs qui avaient gradué ensemble, qu'on avait passé plusieurs années ensemble, dont t'sais, Thomas Vanek, Paul Gostad, Derek Roy, on avait joué ensemble dans les mineurs, on est monté dans la Ligue nationale ensemble. Donc, on était plusieurs à faire partie du groupe. Puis j'ai eu la chance dès mes premières années là, d'apprendre de gars comme Daniel Brière et Chris Drury, Jay McKee, Mike Greer, des gars qui ont il y a des gars qui sont gérants général maintenant, mais qui ont eu un passé dans la Ligue assez incroyable aussi. Là. Jacques. Le comité, tu connais ça. À Montréal, je me souviens, là, c'était un comité avant que vous branchiez sur Janta. C'est-tu bon de tout? Tu sais, comme à Montréal, là, Suzuki est capitaine. Madison, adjoint. Un vétéran comme Gallagher, adjoint. Puis facilement, là, je peux dire que, d'après moi, un jour, il y aura un A sur le chandail de Goulet. Agrandir ce groupe-là de leadership, c'est-tu bon pour l'équipe ou l'expression « trop de chefs, pas assez d'indiens » m'amenait à rentrer en ligne de compte? Non, je pense que c'est bon d'agrandir ton groupe de leadership. Tu veux essayer d'avoir une bonne représentation de ton équipe entière. Donc, souvent, des fois, comme un jeune joueur, c'est bon qu'il y ait un autre jeune joueur qui représente ce groupe-là. Puis je pense que le plus que tu en as, le meilleur que l'équipe va être, je pense que c'est sûr, comme tu l'as mentionné, Gourlay, tu es un gars comme... Savard qui amène même beaucoup de David, de la façon qu'il joue, même s'il n'y a pas de lettres sur son gilet. Je suis sûr que c'est un leader. Je suis sûr qu'il est impliqué beaucoup dans les décisions avec Madison, puis Suzuki, puis Gallagher. À cause de ses expériences, il a gagné une Coupe Stanley. Donc, des fois, tu as des gars que tu n'as pas besoin d'une lettre pour être un bon leader dans une équipe. Les gars le savent, c'est qui les gars qui sont les leaders de l'équipe. Dans le groupe, Jason, tu veux-tu que ça soit, comme Jacques vient de le dire, les gars le savent, tu veux-tu que ça soit vous autres, le groupe de leadership fort qui introduise du monde dans le groupe? Comment ça se fait? Ou si c'est imposé, il y a des risques que ça soit, non, vous autres, vous pensez à la direction que c'est un leader, mais ça n'en est pas un. Écoute, moi, tu sais, je te dirais que dans le passé, nous, dans les équipes où j'étais, c'était souvent de 6 à 8 gars. Ah ouais. Je pense que ce qui est dur, c'est si t'en rentres trop, les gars que tu rentres, tu veux être certain que c'est des leaders puis que tu sais qui font partie du groupe. Tu veux pas en rentrer juste pour le fait d'en rentrer là. Puis tu sais, c'est sûr que oui, ça peut venir des joueurs que tu sais, il y a une discussion à l'interne avec l'entraîneur, puis ils disent hey, je pense que ce gars-là, il a pris un step, on peut le rentrer dans ce groupe-là. C'est certain que les joueurs apprécient, puis se sentent que ils font partie de la décision. Ouais. C'est un bon point que Jason amène. Tu sais, comme je mentionnais, le plus, c'est mieux, là, mais tu sais, même si tu regardes à 6, c'est quasiment un tiers de l'équipe. Ouais. Fait que c'est une bonne représentation, là. T'sais, comme je parle pas d'avoir une dizaine, une douzaine. Non, non. Si t'en as 6, c'est un tiers de ton équipe. Là, les gars, vous savez ce que je vais faire. Je viens de l'écrire à mes chums. Nommer les 6 leaders chez les Canadiens ou chez les Saints. Là, on est parti nous autres pour 2 semaines. Jacques, commentaire rapide sur Josh Norris, fini pour l'année. Bien, malheureusement, il a subi une chirurgie, donc il va faire réparer. La bonne chose, c'est qu'au moins, il devrait être en mesure de revenir au camp d'entraînement, prêt à commencer.
l'ont sûrement mis en partant avec Barkov pour voir, voir qu'est-ce que ça aurait l'air. Je pense qu'il a connu un bon match aussi. Il y a eu 2-3 points, si je ne me trompe pas. Mais ça va être à suivre dans son cas. Mais tu sais, un gars de même, il est excité d'aller là. Il a une chance de gagner encore. Il vit là en permanence. Ça pourrait être un excellent fit. Je vois pas, je pense pas que ça va chambouler l'équipe dû au fait qu'il va prendre la place à un gars. John? Mais je pense que c'est important aussi, là. C'est quand tu regardes une équipe qui cogne à la porte de gagner une Coupe Stanley, c'est pas seulement deux lignes. En réalité, t'as trois trios qui vont produire. Fait qu'ils ajoutent à leur profondeur. Tu sais, peut-être, il reste peut-être pas avec Barkov, mais ils peuvent avoir un troisième trio. Qui peut produire. Ça me fait penser un peu de mes années à Pittsburgh. Mm-hmm. Jusque les deux années qu'on a gagné, la première année qu'on a gagné la Coupe, en réalité, Kessel, il jouait sur le troisième trio, puis c'était un de nos meilleurs trios, malgré que lui n'aimait pas le troisième trio, là. Mais en réalité, c'était la force de notre équipe cette année-là. La raison qu'on a gagné, c'est que tu regardes l'équipe adverse, leurs défenseurs, ils doivent jouer contre Crosby, ils doivent jouer contre Malcolm. Quand tu avais Kessel sur le troisième trio avec Bonino et Haglund, c'était aussi fort. Fait que ça donne la profondeur aux bonnes équipes. Moi, j'adore ça. Je dis souvent, les deux premières lignes vont s'annuler. C'est rendu ça à trois qu'on voit les bons danseurs. Tu comprends-tu? Les deux, là, c'est vos superstars qui sont là. Jason, vas-y, tu voulais ajouter. Non, mais c'est ça. Tu regardes, ils ont, les moves de la Floride, ils ont ajouté... Tarasenko, qui est champion de la Coupe Stanley dans leur chambre, puis ils ont été chercher Kyle Okposo, qui est capitaine à Buffalo, qui comprend son rôle. C'est peut-être pas le même joueur qu'il était il y a quelques années, mais il va comprendre son rôle, il va amener du leadership, puis il va être content d'être là, puis il va pour finalement avoir une chance de peut-être gagner une coupe en fin de carrière. Oui. Jacques, t'as l'air d'accord en plus. Mais définitivement. Une très bonne acquisition. Je veux vous faire entendre Pierre Dorion. Ça, c'est sans même que j'y pose la question. Pierre m'a dit, si tu veux, je peux commenter sur les transactions. Alors, je n'ai même pas posé la question. Voici ce qu'il avait à dire sur un des gestes que Kent Hughes a effectué à la date limite des transactions. La chose la plus importante que les Canadiens ont faite aujourd'hui, c'est Joshua Roy et Struble. Ça, pour leur futur, pour qu'ils fassent partie d'une équipe gagnante jouant en série, ça, c'était le meilleur move de Kent aujourd'hui. Les deux, vous m'avez dit... À différentes occasions, on n'arrive jamais trop vite dans la Ligue nationale. Si tu survis, j'aime mieux que tu ailles dominer en bas. Les deux, vous avez eu ce discours-là. Autant Jason, par ton parcours, que Jacques, tu nous as raconté plusieurs fois, Marianne a ça. Le Canadien a inscrit Joshua Roy et Struble. Je sais que Joshua Roy fait partie des conversations quotidiennes parce qu'il ne se défend pas dans la Ligue nationale. Il joue bien dans la Ligue nationale. Et c'est à quel moment qu'il pourrait aller dans la Ligue américaine, non seulement pour aider Rocket, mais participer aux séries. Pierre Dorion dit, ça, c'est un geste inestimable, c'est important que ces gars-là aillent jouer des séries. V'là deux gars là, qui, je pense, partagent la même opinion. Vous avez pensé quoi de ce commentaire de Pierre Dorion, Jacques? Je pense que c'est un bon commentaire, mais il reste quand même que il faut que tu sois dans l'environnement pour vraiment connaître la chimie. T'sais, c'est un peu son lien sur Slavkovski avec le Canadien. T'sais, il y a eu beaucoup de pourparlers. Ah, il devrait jouer à Laval, il n'est pas prêt pour la Ligue nationale. Mais si tu regardes le management team, Martin Saint-Louis, Kent Hughes, ils connaissent le joueur, puis ils savaient qu'il était mature enough, pour continuer son développement, même s'il n'y avait peut-être pas de succès en début de carrière. C'est un peu la même chose avec ces gars-là. Les gars qui font affaire avec eux autres, tous les jours, ils savent ce qui va être mieux. Est-ce que c'est mieux pour leur carrière de retourner, aider pour gagner dans les mineurs, prendre l'expérience, ou est-ce que c'est mieux rester à Montréal? Je pense qu'il faut que tu sois proche de l'environnement pour avoir vraiment le pouls pour prendre la bonne décision. Oui, puis j'espère que je me suis bien exprimé. Jason, des gens commencent à écrire. Que tout pas, là, c'est juste administratif pour que les deux joueurs, plus tard, puissent aller jouer des matchs avec le Rocket. Roy et Struble sont toujours avec le Canadien. Jason, si le Canadien ne sera pas en série, on le sait. Là. Fait que si jamais ces gars-là ont l'opportunité, est où la ligne entre? Ils ont assez bien fait dans la Ligue nationale de hockey, on les tournera pas à la fin pour qu'ils jouent en série. Puis non, même si la saison est finie, ça va être bon pour eux. Écoute, mais tu sais, comme Jacques a dit, on n'est pas à l'intérieur des discussions. Moi, je peux parler pour ma carrière à moi personnellement.
rapidement. Puis pour le temps que ça m'a donné de plus dans la Ligue, le fait d'avoir joué dans la Ligue américaine, le fait d'avoir vécu les séries, dans le cas de Joshua et de Jaden Struble, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des joueurs de la Ligue nationale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne joueront pas dans la Ligue nationale s'ils se font redescendre. C'est juste pour l'expérience qu'ils pourraient vivre des playoffs dans un building plein à Laval. Chaque match veut dire de quoi. Moi, je pense que ça serait bénéfique pour eux. Ça l'a été pour moi, ça l'a été pour plusieurs joueurs à Buffalo à l'époque quand on a tous gradué ensemble. Plusieurs qui ont eu des longues carrières, qui ont joué plus de 700, 800, 900, 1000 matchs. Donc, je pense que ça a été bénéfique pour plusieurs joueurs. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas pour eux. Mais comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'ils veulent. Ce n'est pas des joueurs de la Ligue nationale en ce moment. Là. C'est plus pour le long terme qui ferait ça. Oui, je suis 100% d'accord parce qu'il fait bien Joshua Roy. Puis je trouve ça sain qu'on entende à l'intérieur, genre, que c'est une conversation quotidienne qu'on évalue de jour en jour. Je trouve que c'est important. Ça veut dire que ça veut dire bien des choses, selon moi. Oui, puis je pense qu'on si on peut regarder les années qu'il y a eu, une année qu'il y avait eu le lockout, beaucoup de jeunes joueurs qui avaient déjà joué un an dans la Ligue nationale, à cause qu'il y avait la possibilité de retourner jouer dans la Ligue américaine. Je pense qu'ils en ont profité énormément, ces gars-là. Moi, je me rappelle, à Ottawa, on avait les Jason Spezza, plusieurs dans la Ligue, là, c'était incroyable, les stars, beaucoup de joueurs qui sont devenus des vedettes dans la Ligue nationale, mais qui ont profité énormément de pouvoir jouer une année et avoir l'opportunité de dominer dans la Ligue américaine. Ouais. Donc, à cause de leur âge, puis il n'y avait pas d'hockey dans la Ligue nationale, tu veux que tes jeunes joueurs continuent leur apprentissage. Puis je pense que ça a bien servi. Messieurs, vous n'avez pas été bons, vous avez été excellents, outstanding. D'ailleurs, Julien, sur la messagerie texte, dit bravo à Jacques de ne pas nous sortir la cassette. Il est impliqué avec une équipe et qui participe comme ça. Il l'apprécie au plus haut point. Jason, toi aussi, je le sais que tu n'es pas dans ton bureau de l'Armada, mais je me l'imagine, puis d'après moi, c'est comme ça. Les gars, un gros merci de prendre du temps de votre journée, puis on se reparle bientôt. Yes, salut bien, merci. Bye, salut Jean, salut Jason. Sondage aujourd'hui, on est après vérifier ce qu'un journaliste, Billy Bertrand a posé ou suggérait sur, je pense c'est sur le RDS.ca. Voilà. Est-ce que Nick Suzuki, dans sa carrière, pourrait remporter le trophée Selke? Oui, parce qu'il a vanté la performance de Suzuki face à Austin Matthews dans le match de samedi dernier. Et on vous pose la question, est-ce que Nick Suzuki est un futur récipiendaire du trophée Selke dans la LNH? Et à 70,9%, vous dites oui sur nos réseaux sociaux et vous êtes convaincu qu'ici environ peut-être 4 ou 5 ans, Nick Suzuki pourrait mettre la main sur un trophée Selke. OK, merci FX. Et la question qu'on pose aujourd'hui, on se pose entre nous. Mathias s'en vient, mais juste avant, juste vous poser une question comme ça. Vous pouvez participer. 514-790-0919. Ben, tu vas être demandé également à participer. À la suite de la date limite des transactions. Non. On ne vous demande pas qui a remporté la date limite des transactions. Qui est votre équipe favorite pour remporter la Coupe Stanley à la suite de la date limite des transactions? On en parle au retour et Mathias. Aurez-vous le numéro du billet gagnant? Le concours radio le plus trippant juste à temps pour le printemps. Grâce à BPM Sport et au CF Montréal, gagne ta paire de billets de saison du CF Montréal. Chaque jour dès 8h, écoute le club du matin. Max Lalonde donnera le numéro à 3 chiffres du billet chanceux. Va l'inscrire dans la section concours du bpmsport.ca. Et à 17h, si Martin Lemay nomme ton nom, t'as 9 minutes 19 secondes pour nous rappeler au 514-790-0919 en donnant les 3 chiffres chanceux. Un finaliste par jour, mais un seul gagnant à la fin du concours. Qui assistera à tous les matchs du CF Montréal? Ta paire de billets de saison grâce à BPM Sport et au CF Montréal.
Oh, bateau. Les prédictions vont s'en venir dans pas long pour les séries éliminatoires. Et là, je vous demande pas, même Mathias est rentré en studio. Mathias, si tu veux embarquer avec nous autres dans notre délire, tu pourras. 514-790-0919. 514-790-0919. Quelle est l'équipe, selon vous, favorite pour les séries éliminatoires à la suite de la date limite des transactions? Si les séries devaient commencer tout de suite, les Canucks de Vancouver affronteraient les Golden Knights qui se sont remplis les poches. Les Canucks qui ont survolé la Ligue nationale de hockey toute l'année. Les Stars contre les Prédateurs, ça sac. T'es-tu quelqu'un qui donne une chance aux Prédateurs? Non, mais jamais. Il y en a qui disent que les Stars sont pactés. Ouais. Jets Avalanche. Je ne manquerai aucun match de cette série. Oilers Kings. Encore. Oilers Kings, c'est encore, justement, mais les Kings sont tout le temps proches. Et là, ils n'ont pas fait de transaction pour les gardiens. Vous avez vu la nouvelle. Ça a l'air que Old Mark et les Kings, on s'approchait, puis finalement. Ouais. Je me demande qu'est-ce qu'il y avait en retour. Écoute, on a-tu envie de spéculer, tu penses? Parce que faut que tu donnes pour avoir Old Mark. Ouais. Alors, et dans l'Est, ça commence demain matin, là, les Panthers que tout le monde voit loin, là, ouais, affronter les Islanders de Patrick Roy, oh, qui sont 6-6, qui ont Sorokin dans le net. C'est pas fait. Rangers Lightning. Bruins Maple Leafs. Aïe aïe. Oh, aïe aïe. Bruins Maple Leafs. Et Hurricane Flyers, si c'était possible, je changerais Flyers, mettons, pour les Red Wings. Ah, ouais, ben justement, ouais. C'est fou quand même. Pendant presque toute l'année, on s'est dit Red Wings, le pari d'Eiserman a fonctionné, ils vont être en série. Vont peut-être être exclus. Mais les Red Wings, c'est des vieux. Ils n'ont pas sacrifié d'avenir, mais. Ils sont fatigués, les petits... 6 défaites, je pense. 5 ouais. défaites de suite. Oui, 5 défaites de suite. Mais c'est fou parce qu'en début de saison, les Red Wings survolaient la Ligue nationale. Ils connaissaient un excellent début de saison. Ils sont souvent sur des séquences. Ils manquent de constance. Ils ont des 5-6 victoires de suite. Ouais. Après ça, c'est suivi de longues séquences de défaites. On n'est jamais capable d'être constant sur une longue séquence de temps. Ou si on perd deux matchs, remporter au moins le troisième par la suite. Il y a souvent des écarts de victoires et de défaites. Il y a quelqu'un qui écrit, je pense, c'est une blague, qui écrit sa messagerie texte. Je pense que c'était Dubois pour Hallmark. D'après moi, les Bruins n'auraient pas embarqué là-dedans. Je veux pas être méchant, là, mais je serais très surpris avec un contrat de cette durée-là. Tu veux-tu commenter? À moins que, tu sais, des fois, tu as tout le temps des équipes qui pensent pouvoir relancer un gars. Ouais. Parce qu'il y a quand même 6 mois, les Kings donnaient Vilardi 1-2 puis 2 autres joueurs, tu sais. Ouais, fait que là, est-ce que sa valeur est finie tout d'un coup? Il y a quand même 25 ans et moins. Au centre, c'est plus mince. Eux, ils se disent, tu sais, on a notre formule. Les gars qui rentrent. Tu sais, Pavel Zaka, là. Jusqu'au moment où il arrive à Boston, on se disait que c'est un 5e ou 6e au total qui n'a pas vraiment réussi. Puis tu regardes, il est en feu. Fait avec Boston, des fois, ils sont capables de Je continue-tu avec mon histoire d'amour avec les... Non. Ton cerveau n'est pas commencé. 514-790-0919. Quelle est votre équipe favorite pour la Coupe Stanley à la suite de la date limite des transactions? Écoute, je suis même pas capable de faire les prédictions de ces 8 premières rondes-là. Non. Vous apprenez pas, hein? Pourquoi? Là, je te brasse, là. Brasse-moi. L'équipe favorite après la date limite des transactions. On donne tout le temps des gagnants après cette foutue date-là. Ben, l'année passée, les Panthers n'ont rien fait. Puis les Golden Knights, j'y reviens dans ma chronique tantôt, donnent un espoir en qui ils croyaient plus pour Barbashev. Fait que... C'est pas parce que tu remplis ta formation que... Qu'est-ce qu'on disait? Au moins, à ta défense, les Rangers n'étaient pas d'accord. Ah non, mais là... Mais ah je non, suis certain que quand même, on glorifiait des équipes qui s'étaient pactées des clubs à date limite. Même Tarasenko, moi je l'ai dit, les Sénateurs se sont améliorés. Mais je trouvais que c'était un mauvais coup. Je suis certain, si Ben ressortait les tapes de l'an dernier, on glorifiait quelques équipes qui étaient allées chercher des gros joueurs... probablement les Oilers avec... OK. Étant donné, est-ce que vous avez toute votre équipe ou on est tous à peu près... Non, tu connais mon équipe. J'ai mon équipe. Moi, ça fait 2 semaines. Tu l'as-tu, toi, Mathias? Ben moi, j'ai dit que si Edmonton faisait les séries avec tout ce qu'ils ont vécu, ils allaient gagner la Coupe Stanley. Oh! Là, au moins, je suis content. Là, on est-tu rendu même au moment où je laisse Martin se débrouiller avec FX pour le Tomahawk, là, ou... Non, mais moi, j'ai déjà... Écoute, pour ceux qui n'ont pas tout le temps été là, pas croire. Moi, je gagne mon pari de Pittsburgh puis qui ne fera même pas les séries. Puis toi, tu gagnes parce que les Oilers... Le pari des Oilers. T'as failli l'accepter, mon pari, en plus. Ça m'aurait vraiment coûté un Tomahawk. Ouais. Mais on a repris un pari, par exemple. Oui, de Saint-Justine. Mais t'es passé de dire les Oilers ne feront pas les séries à là, t'es prêt pour la Coupe Stanley? J'ai dit que s'ils font séries éliminatoires envers et contre tous. Là, ils vont y faire, j'espère que tu le sais. Puis le pire, c'est qu'au début de l'année, je leur avais donné la Coupe. Est-ce que c'est ton choix? Magazine. Les Oilers?
C'est ton choix? Ouais. Donc, t'es passé à cet automne à Coupe Stanley. À cet hiver, ils feront pas les séries. À là, ils gagnent la Coupe encore. Ben, non, mais ça, là, c'est oui. le signe de la bipolarité. Non, ça. Pas du tout. Au contraire. Parce que si pas mal d'adversité au début. Si tu traverses toute cette adversité-là c'est et tu te qualifies en série, ouais. pour un club que j'avais favori au début de l'année. Mais que t'as gagé compte qu'ils font même pas les séries. J'ai gagé compte en raison des probabilités. Il était 8 points derrière. Okay. Fait que c'était un pari de peureux. OK. Mathias, c'est les Oilers d'Edmonton. Mathias n'est pas seul, je suis avec lui, avec les Oilers. OK. Oilers pour toi. Oilers d'Edmonton. J'aime les Oilers d'Edmonton, mais non, ben non, okay. ben non. Ils prenaient pour faire les séries en avant. Stars de Dallas. Non, ben ça a failli. Les Stars de Dallas ont une excellente formation. Je vais avec les Panthers de la Floride dans l'Est. Malgré que les acheteurs ont tous été majoritairement dans l'Ouest, ceux qui ont fait des grosses transactions à date limite, moi, je crois que les Panthers sur papier ont encore une fois une très bonne équipe cette année. Et, puis pour moi, c'est une équipe extrêmement complète. Et ça, d'ailleurs, ça va être un des sujets de discussion que j'aurai avec Snake. On va enregistrer tantôt notre balado de la semaine. Ouais. Pourquoi à chaque date limite des transactions, alors que on dit toujours que c'est un marché de vendeurs, on s'entend? À la fin de la journée, on dit tout le temps que les gagnants, c'est des acheteurs. Non, mais c'est vrai pareil. C'est vrai, mais souvent, on connaît c'est pas la... C'est la journée où on surpaye, parce qu'on connaît pas l'identité La réelle des valeur choix. Des choix repêchage, souvent, c'est ça. Puis les espoirs également. Mais on fait l'erreur, quand même. Quand est-ce qu'on dit qu'un club vendeur a gagné? Jamais. Martin, tu te ranges derrière qui, toi? Non. Là, t'as Mathias et Ben, Oilers, FX Panthers, et toi? C'est pas... Arrête. Moi, on me demande un choix, mais je parierais jamais un Tomahawk parce qu'en série, c'est trop imprévisible. Oilers Kings, si c'est ça, les Oilers devraient traverser les Kings. Là. Ils ont traversé dans les deux dernières premières rondes. Bon, devraient. Mais en même temps, ça veut rien dire. Ouais. Hey, puis là, en plus, vous êtes en train de gager votre savoir sur le hockey. Qui aurait prédit Stuart Skinner? Hey, vous êtes courageux. Ouais, mais c'était Adam Hill l'an dernier. Ouais, mais t'as-tu vu sa brigade défensive à Adam Hill? C'est pas la même du côté de... Ouais, mais de il y a une attaque pas pire à Edmonton. T'as-tu... Qui aurait prédit l'an dernier Vegas-Floride en finale? Je répète, Adam Hill, t'as-tu vu le quatuor de défenseurs? Ils ont refait le coup cette année. Ils sont allés chercher Anafib Pietrangelo. Deuxième paire, Shea Theodore, Braden McNabb. Et troisième paire, Ag et Zach Whitecloud. Tout le monde mesure 6 pieds 2 et plus. Mais c'était la même défense l'année d'avant aussi, là. Mais t'avais pas en affine. Oui, mais je te parle d'Aden Hill l'an dernier, qui gagne la coupe. Mais c'était la même défense avant avec un autre gardien, puis ils n'ont pas gagné. Lennert ou peu importe, puis ils n'ont pas gagné. Fait que le gardien, quand même... Aden Hill a quand même été bon, non, là. C'est pas la même défensive, arrête, là. Ben oui, puis Trangelo était là. Oui, oui, mais attends une seconde, c'est pas la même affaire partout, là. Bon. Ils ont tous un an de plus, là, cette année, t'es en affine. C'est pas du tout. Mais c'est tout ça pour te dire, parle-moi de tes Oilers, parle-moi de la défensive des Oilers. Quoi? Tu veux comparer avec la défensive des Knights? La chronique de Mathias, c'est comme tu parti. Es-tu comme parti? On est toujours dans le... Okay. C'est quel votre équipe? Parce qu'il y a une commandite, là. Attends une seconde, on n'est pas rendu là. Moi, je peux embarquer parce que Martin n'a pas décidé. Toi, prononce-toi donc, là, champion du monde. T'es là avant, arrête de chialer, t'as plus de temps. Je chiale pas. Dis-moi le monde, qu'est-ce qu'il dit? C'est qui leur équipe? Non, mais t'as rien dit, toi. C'est ça, j'ai réfléchi. Encore? Oui, c'est long. Tu connais ça, le hockey? Oui. Tu connais ça, pas mal. Vegas, c'est l'équipe la plus populaire pour remporter la Coupe Stanley sur le messagerie texte pour une deuxième année de suite. Mais contre les Canucks, imagine cette série-là. Ça, contre les Canucks, là, je suis tellement Canucks. On se fait un pari. Je suis tellement Canucks. Je vais jamais au casino, mais on se fait un pari. Martin choisit son équipe. On va souper les quatre. Et s'il y en a... Ben nous, on a les Oilers, les deux, Ben. Oui. Ben, ça marche pas. Les Canucks. Parce qu'il aurait fallu que les trois payent le gagnant... Prenons les Canucks, Martin. Ah non, je serais même prêt à prendre les Islanders pour vous dire. Les Islanders. Excuse-moi. La magie de Patrick. Laisse faire Patrick. Sorokin, la défensive, ils ont de la vitesse avec Barzal. Ils ont des vétérans que de l'extérieur ont l'air de bons vétérans. Ali, Nelson, Bo Horvat. Je peux-tu te couper? Toujours. Ben. Oui. Si les Islanders gagnent la Coupe Stanley. Oui. On va souper les quatre et on paye la traite à Martin. Puis lui, si les Islanders ne gagnent pas, ça ne coûte rien. On fait ça? Non, me dérange pas. Ah là, ça arrivera pas de toute façon. Hey, on le fait? On le fait. Et tu manges dans le restaurant que tu veux, où tu veux, on te paye la traite. Oui, on va manger un pâté chinois. Là. Ouais, ça coûte trop cher. Il ne boit pas d'alcool en plus. Pour une fois, lâche le braisier. Ouais, je ne bois pas d'alcool. Ça, c'est pas grave. Tu prendras des margaritas sans alcool. Là.
Un dessert. Hey, non, c'est... Hey, mon oncle commis, là, prendra pas un petit drink avec un parapluie dedans. Non, mais 5-30$, le repas divisé par 3, ça coûte pas cher. C'est non, c'est correct, ça. Vous avez préparé 10$ chaque. Hey, ça va nous faire une équipe à suivre en série. Mais oui, j'aime ça. Ah, ça va être. Parce que t'es Islanders, là. Ça va être. Je ne sais pas. Ils seront peut-être pas entiers. Bon. Mais on est Jean Vegas. On est-tu d'accord? Jean Vegas. C'est réglé? Ouais, c'est réglé. FX. J'embarque. Oui, j'embarque. Mais deux choix les plus populaires, là, juste pour être sûr, là, c'est Vegas, c'est Colorado ensuite. Ce sont les deux choix les plus populaires sur la messagerie texte. Il n'y a personne de nous autres qui a parlé de Colorado. Personne. Alors, parce que si les Islanders gagnent, on finit ça à Belle Province. À 10 ans. Non, ça coûte trop cher. On ira chez Milos. On peut aller chez Mike, chez Pacini, chez. Boating Club. C'est trop fancy, ces affaires-là. Vous êtes en train de dévoiler mes goûts culinaires. Non, un vrai restaurant, Martin. OK, parle-moi comment. Le Shift de Mathias Brunet, une présentation d'Hypothéca. Avant de magasiner pour sa première maison, c'est important de faire un budget. Pour t'aider à faire les calculs et déterminer combien tu peux payer, trouve ton courtier au hypothéca.ca. Ton hypothèque, on s'en occupe. Comme à chaque présence, il va tout donner. Et même plus. Brunet! Ah ouais, c'est la glace! C'est le shift de Mathias Brunet. Hello, Mathias. Hello. Bon, avec quoi tu veux commencer? Je t'ai envoyé une vidéo de Lane Hudson. Je voulais juste te dire que les Islanders, c'est pas un manque de respect envers les Islanders ni envers Patrick Roy. Ils vont très bien, puis tu sais jamais. Mais c'est juste pour nous donner un petit fun pendant la série, puis de se dire ça serait une équipe improbable. Oui, puis j'ai comme pas dit les Islanders. J'ai juste nommé, je pourrais même prendre les Islanders tellement que je le sais pas. Et t'as jamais répondu finalement. C'est parti en vrille, cette affaire-là. Mais regarde. Je veux te parler d'une chronique d'Alexandre Pratt, puis j'en parle parce que ça représente quand même l'opinion d'une certaine frange de partisans. Écoute, il racontait que ça partait avec une marche avec ses bottes, puis dans la boîte, puis il fait pas beau, puis c'est pas le printemps encore. Puis ça, il y avait ce même feeling-là avec la reconstruction du Canadien. Il a vu le début, il voit pas le bout, il est entre les deux, il est un petit peu déprimé. Puis je lui ai écrit aujourd'hui, puis je disais que je partageais pas son pessimisme. Puis je sais qu'on a des auditeurs. Là. Tu peux même leur demander, ils peuvent nous écrire, est-ce que vous êtes content ou pas. Moi, je vais juste demander aux gens optimiste ou pessimiste. Oui. Faites juste écrire optimiste ou pessimiste pendant la chronique de Mathias. Et écoute, il y a des choses qu'on n'attendait pas. Là, t'sais. Je le répète, le Canadien s'est trouvé un premier trio. Slavkovski est déjà un attaquant de puissance. Newhook nous montre qu'il peut jouer sur une 2. Joshua Roy, de plus en plus, nous montre qu'il peut jouer sur un des trois premiers trios. C'est une belle surprise. On ne s'attendait pas à le voir à Montréal. La clé, puis le Canadien a un gardien numéro un. La clé, vraiment la clé, c'est défensivement. Il va manquer au Canadien un gros défenseur droitier et un défenseur offensif de premier plan. Et la base, ça va être si Ryan Backer et Hudson, je vois que tu as levé la main, j'arrive. Prends ton temps. Se développent à leur plein potentiel. Là, on va pouvoir parler, mais jusqu'à ce que ça arrive, on ne saura pas. Oui. Première chose que j'allais dire, c'est toi qui aimes les probabilités, les pourcentages, comme tu as fait parler tantôt pour les Oilers Edmonton. Une reconstruction, les pourcentages que ça fonctionne versus ceux qui ne fonctionnent pas, le pourcentage est pour que ça ne fonctionne pas. Oui. Il y en a beaucoup plus qui ne fonctionnent pas que des reconstructions qui fonctionnent. Juste là, tu aurais dû dire « je suis pessimiste ». 514-790-0919, c'est en train de déchirer à la messagerie texte « optimiste ou pessimiste ». Mais je veux juste rajouter, le Canadien ont trouvé un premier trio, puis Newhook, tout le monde qui peut jouer sur une 2 parce qu'ils sont vraiment bons de même ou parce que l'équipe est éliminée, puis comme les Sénateurs d'Ottawa, chaque année, ils performent mieux quand ils sont éliminés. Bien, ça, on le saura pas avant. Quoique Suzuki et Caulfield nous ont montré en série qu'ils étaient bons sous pression. Fait que ça, c'est déjà ça. Je pense que Slav aussi, c'est un gars qui peut être bon sous pression. Tu me dis, évidemment, que les reconstructions, ça fonctionne pas tout le temps. Sauf que les équipes qui sont branleuses, qui sont entre les deux, qui réinitialisent, qui osent pas trop, pourcentage de succès n'est pas plus grand non plus, là. Et le Canadien, quand tu dis son numéro 1, tu sais, Montembeau, moi, je pense qu'on n'a pas vu son plafond encore. Non. Mais est-ce que tu le mets dans la ligue des Shesterkin, Sorokin, Demko, Hellebuyck, Oettinger, ou tu le mets dans le groupe suivant?
Ben là, on le sait pas encore. Puis en même temps, t'as des gars qui ont gagné la coupe. Tu peux pas me dire, on le sait pas. Tout à l'heure, tu me parlais de gens qui se mouillaient pas puis qui se commettaient pas. Tu peux pas arriver ici puis me dire, on le sait pas. Ben tu viens de me dire que son plafond est pas atteint encore. Mais il est pas dans la catégorie des Sechtorkin et compagnie. Mais en série, t'as des équipes qui ont eu du succès puis qui avaient des gardiens de cette catégorie-là ou même parfois inférieurs. Exemple à la mine. Oui. Donc. Le Canadien, c'est s'il manque trois pièces. Il manque un Hudson au top, un Ryan Backer au top. Vont-ils y être? On ne le sait pas. Et il manque un gros attaquant que tu vas trouver soit au repêchage 2024 ou sur le marché des joueurs autonomes dans deux ans. Donc, un joueur style Kirby Dach, un 22, 23, 24 ans que tu ajoutes à ton groupe. Donc, moi, pour répondre à la question, contrairement à Alex, je suis optimiste puis je vois quand même une lumière au bout du tunnel. OK. Est-ce que le Canadien doit signer? Ça, je ne sais pas ce que je vais faire avec cette question-là. Je la brûle tout de suite. Ah, brûle-la. Moi, j'aime ça quand ça brûle. Jacques et Jason, tantôt, ils disaient que ça prend 6 à 8 leaders, puis Jacques a ramené ça à 6 en disant, déjà, si tu en as 6, c'est le tiers de ton équipe. Oui. Le Canadien doit-tu s'intéresser à essayer de ramener un vétéran comme Sean Monahan? Peut-être pour 2 ans, mais il ne voudra pas 2 ans. On est d'accord. Il ne voudra pas 2 ans. Alors là, ça va être, ils sont pris, il y a Dvorak qui va être sur une 3 en attendant, puis il va falloir en trouver, en développer un bon pour dans, comme je te dis, quand ça va commencer à compter dans 2 ans. Parce que je pense que je comptais 5 leaders. Si tu rajoutes Monahan, tu t'en fais 6. Ouais. Puis des, mais tu sais, c'est ça aussi, t'as des leaders qui se... Tu sais, comme à Détroit, là, ils ont bourré ça de vétérans. Puis c'est correct, t'as raison que t'es jamais trop longtemps dans la Ligue américaine. Mais là, tu n'as pas développé ton leadership de demain non plus encore. À l'époque, à Détroit, tu avais les Lindstrom, les Zetterberg, les Datsyuk et compagnie. Tu pouvais en rentrer un à la fois. Mais moi, je pense, un peu comme Jason l'a dit, il faut que tu sois à l'intérieur. De l'extérieur, je peux te dire que moi, je crois pas en Dylan Larkin et son leadership. Donc, si tu es Steve Yzerman puis que le C est sur Larkin, faut que tu l'entoures, jeune homme. Comme Steve Yzerman, souviens-toi, là, quand il a commencé, il a eu le C de bonheur. Puis c'est quand tous ces vétérans-là sont arrivés pour y montrer le droit chemin qu'il a fait comme « Ah, c'est ça un vrai leader ». J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il a fait aux Red Wings en disant « Je vais y amener du bon leadership ». Andrew Kopp, que j'ai en tête. Ouais. David Perron, qui a gagné une coupe. Qu'on a parlé de son leadership à Vegas quand cette équipe-là s'est rendue en finale de la coupe. Je le dis pas parce que j'aime David Perron, je le dis parce que c'est documenté. Oui, mais tu vas avoir beaucoup de joueurs plus âgés à remplacer en même temps. C'est juste ça. C'est correct. Dépendamment comment les contrats sont structurés. Ben, donc, tu es optimiste. Oui. Je vais demander à FX d'ici la fin du segment de me faire un calcul scientifique ou à Amélia sur la messagerie texte. Combien de optimistes et combien de pessimistes sur la messagerie texte? Et pour Ryan Backer, écoute, ça dépend évidemment des deux équipes. Il y a une équipe qui est éliminée en Suisse, donc c'est réglé. L'autre équipe mène sa série 3-2. Si elle gagne, elle va en finale. Il faut qu'elle gagne la finale. Mais si elle se rend finale, on repousse encore 10 jours, 2 semaines avant que Ryan Backer s'en vienne. Il joue demain. Cette équipe-là joue demain. Alors, s'il gagne, là, on attend un autre 10 jours. Engstrom, s'il perd, c'est 3-3, puis il s'en va en 7. Puis là, si le prochain match est jeudi, et s'il perd la série en 7 jeudi, bien là, Ryan Backer s'en vient à Laval pour la fin de semaine prochaine. OK, commence à être long. Engstrom... écoute, il joue là, il a joué 20 minutes, 21 minutes le match d'avant, 19 minutes, un but, une passe. Rogel a gagné ses 2 derniers matchs, il semble en série. Alors lui, on va l'attendre un petit peu. Mais c'est bien parce qu'il a choisi le bon moment pour en tirer des grosses. OK, plein de sujets. Je t'ai envoyé une vidéo de Lane Hudson. Oui. Tu veux me parler de Vegas, tu veux me parler des Hudson, Sharks, qui est intéressant. Veux-tu lire un peu les principaux points que tu m'as envoyés sur... je sais pas si tu les as apportés de... 32 parties pour Lane Hudson. Ouais. Présentement, on se demande, là, pour le Obie Baker, c'est Lane Hudson ou c'est le jeune joueur Celebrini qui va être le premier joueur repêchage lors du prochain repêchage. 32 parties pour Lane Hudson, 12 buts, 31 passes. Je vous rappelle... 32 parties, 31 passes. De ces 31 passes, 22 sont des passes primaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui fait la passe sur le but. L'adversaire a été battu à 5 contre 5, 36-23 quand il est sur la patinoire. Donc, ça, c'est une statistique importante au niveau de la NCAA. À 5 contre 5, il est très bon aussi. Fait qu'on ne peut pas dire que c'est un spécialiste offensif dans la NCAA. C'est ça, c'est acquis. Bon, ça reste à voir dans la Ligue nationale. Tu veux dire, c'est pas un Shane Gottesberg? Ben, au niveau de la NCAA. OK.
Fait que, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il y en a qui disent par contre, ouais, c'est juste un unidimensionnel dans NCAA aussi. Non. Par contre, tu sais, je regardais les séquences puis j'ai pas vu autant de séquences que toi. Tu sais, moi, je te l'ai dit, j'ai assez de la Ligue nationale à regarder. Ouais. Je me suis jamais gêné de ça. Par mais contre, moi, c'est le football que je regarde pas, je regarde les c'est autres. Correct. C'est correct. Mais je regarde. Je fais des lectures de repêchage. Je fais des lectures de rapports de recrutement. Lane, moi, ce que j'ai remarqué dans la vidéo que je t'ai envoyée seulement, c'est un garçon qui va retenir un lancer pour trouver une ligne de tir et se ouais. sert beaucoup d'un tir du poignet qui semble être archi efficace. Ouais. Est-ce que ce type de lancer, de jeu-là, sera efficace dans la Ligue nationale de hockey ou ça fonctionne parce qu'il est dans le collège? Ben, un tir qui atteint le filet, déjà en partant, c'est un avantage. Tu as des retours et tout ça, fait que ça, c'est bien. Mais comme je répète souvent, c'est un modèle qu'on ne connaît pas. Un défenseur qui produit de même dans NCAA, avec, sans cette explosion-là, c'est dur à mesurer. Comme Mike Ribeiro à l'époque, écoute, la plupart auraient dit est-ce qu'il va faire carrière dans la Ligue nationale. Il est gros comme un clou, il n'est pas super vite. Et il a réussi avec son intelligence. Parce que les gens foncent sur Lane comme sur Ribeiro. Next thing you know, la prochaine chose que tu sais, c'est le gars est en arrière, puis Lane a la tête levée pour la prochaine passe. Oui. J'ai vraiment hâte. Puis malheureusement, on va le voir probablement seulement un match ou deux. Mais ce gars-là va quand même dicter si le Canadien peut aspirer à quelque chose très bientôt ou pas. Puis on le sait pas encore. Mais tu regardes à Vancouver. Je sais que JT Miller a une saison phénoménale. Mais t'as le gardien et t'as Peterson et Quinn Hughes. Quinn Hughes a transformé cette équipe-là, là, un 7 au total. Ouais, mais Demko en santé. Oui, c'est ça. Fait qu'il... Ouais. OK. Je te lance les sujets, je te laisse choisir. J'adore ça, ce modèle-là. Lane Hudson, on a parlé. On a parlé de Pratt. Il reste Vegas. Mike Greer, il échange des Sharks de San Jose. Oui. Qu'est-ce que tu veux parler? Ben ça, c'est que on peut parler des deux, parce que la vie est un peu injuste. On a fait que parler de Vegas comme quoi ils ont fait un échange extraordinaire. Je me demande s'ils n'auront pas à choisir Anthony Finn et justement Hurtle. Mais peut-être qu'ils savent qu'Anthony Finn ne restera pas, on verra. Mais on regarde du côté de San Jose. Pour moi, Mike Greer... qui dans une reconstruction, a un gars qui va avoir 31 ans en octobre, qui est sous contrat pour encore 6 ans à 8,1 millions, qui réussisse à s'en départir, puis d'aller chercher un choix de première et un espoir. Dans ce contexte-là, je trouve que c'est un méchant move dont personne parle. Ah, 6,4 pouces, c'est sûr que c'est tout parce que San Jose sera pas bon avant 4-5 ans. Fait que c'est ton 31 ans à 35 ans de Hurtle, c'est du temps, de l'argent, du talent gaspillé au vidange. Fait qu'il réussit à sortir ce contrat-là. Il retient 17 % du salaire, ce qui n'est pas grand-chose. Et il va chercher un choix et un espoir. Mais personne n'en a parlé. Ah ouais, je suis surpris, pareil, de ta prise de position. Ah oui, pourquoi? Mais parce que alors que les Sharks ne sont pas dans le coup. Les troisièmes choix qu'ils ont donnés, ce seront des trois bons troisièmes choix. Ce sera des deuxièmes rondes. En 25 et en 27. En 27, ça va peut-être être un petit peu moins bon. OK, mais en 25? On verra. Non, mais c'est un choix de 3, là. Ça va être un début de 1, 2, fin de 1. Oui, mais tu... Mais attends une seconde, là. Tu sors ce contrat-là, c'est ça qui est important. Oui, mais tu vas le payer pendant 6 ans. À 1 point quelque ou à 2? Oui, une retenue. Au lieu de à 8? T'as 8 millions par année pendant 6 ans. OK. Les Sharks ont échangé un choix de troisième tour. Deux choix de trois. Deux choix de trois. Un en 25, un en 27 et Thomas Hurtle en retour d'un jeune espoir et d'un premier 25. Ouais. Fait qu'eux, ils ont donné leur premier 25 qui va être à la fin de la ronde. Ben, en principe. OK. En principe. Oui, mais ben, les Sharks, pas assuré de finir premier. Laisse-moi terminer. Ouais. Les Sharks sont en début de 3. Ouais. Ouais. Il y a une ronde d'écart. Oui. Puis ils leur ont donné Hurtle, puis ils gardent du salaire pour que tu payes ton joueur de deuxième centre 6 250 000. Ouais, qui a été signé par l'autre avant, par Doug Wilson. Non, ça, je comprends que c'était l'autre avant. Mais c'est un deal pour Vegas, là. Mais Vegas va être encore coincé par le plafond, puis je te dis pas que c'est pas bon. Mais c'est quand même un pari encore. Laisse faire coincé par le plafond. OK, mais les Sharks ont sorti
6 millions par année pendant 6 ans dans un club en reconstruction qui va nulle part pendant 4 ans. Pour moi, c'est excellent. C'est pas facile à trouver. Regarde Carlson. Ah ben. Regarde Carlson. OK. Il y a juste Pittsburgh qui pouvait faire ça. Ils ont sorti son salaire à 10-11 millions par année. Puis là, Pittsburgh, je m'excuse de dire ça, ils vont avoir une décision douloureuse à prendre. En ce moment, leur choix est 9e au total. Il est protégé top 10. Off, j'ai une question pour toi. Ils vont encore payer Carlson 3 ans de temps, puis ils vont payer 6 ans de temps Hurtle. Non. Oui. Mais à combien? À 2 millions au lieu de 8? Tu te donnes 6 millions par année de flexibilité avec Hurtle. 6,7 de flexibilité pendant 6 ans. C'est énorme. Énorme. Fait que toi, dans le fond, il l'aurait sorti pour gratis, t'aurais été content. Presque. OK. Mais là, j'ai une question pour toi. Oui. T'es le DG des Penguins de Pittsburgh. Oui. Ton choix est situé au 9e rang. Tu sais, quand ça se passe pas bien, tu ramènes tout le temps un pingouin. Vas-y. Non, mais c'est une question intéressante. Vas-y. Et là, t'es protégé top 10. Est-ce que tu gardes ton choix au 9e rang cette année, quitte à donner ton choix de l'année suivante, pas protégé? Est-ce que tu comprends ma question? Oui, mais je pense qu'il faudrait que tu m'appelles avant le show pour que je pense. Non, mais j'ai le choix entre donner... T'es pas obligé de répondre, mais ça te montre le dilemme parce que Pittsburgh peut planter l'année prochaine. On s'entend? Oui, non, toi, c'est sûr que c'est toi qui décides. Ben, j'avais décidé cette année qu'ils ne feraient pas les séries puis ils ne font pas. Exact. Fait que donc, disons que Pittsburgh décide de garder son 9e au total cette année. Disons qu'ils finissent là. Oui. Ils vont donner leur premier choix de 2025. Mm. S'il coule... Non protégé. Non protégé. OK. Je donne pas mon 9e de cette année. Tu le gardes? Ben oui. Fait que t'es comme Dubus va faire la même chose. Mais à moins qu'il remonte puis qu'il finisse... En plus, tu vois, t'entends-tu le signal que t'envoies? Si tu fais ça, tu dis « Hey, je pense que je vais être payé l'an prochain. » Voyons, ouais. Ça marche pas. Fait que donc, oui, mais t'imagines-tu si... OK, ça... t'as commencé avec optimiste, pessimiste. Ouais. On a demandé aux gens de texter. Ah! La politesse, c'est de dire comment les gens ont texté en nombre complètement absolument. Dément. Absolument, merci. Est-ce que les gens sont optimistes ou pessimistes, Effie? À majorité optimiste, je vais chercher l'information pour avoir un nombre spécifique de personnes qui ont voté optimiste, mais majoritairement plus optimiste que pessimiste. Merci. Bon. Merci, Mathias. Yes. Je te parle demain. Avec plaisir. Jour de match. Le Shift de Mathias Brunet, une présentation d'Hypothéca. Quand on renouvelle son hypothèque et que les taux d'intérêt sont élevés, c'est vraiment important de faire le bon choix. Pour établir une stratégie gagnante, trouvez votre courtier au hypotheca.ca. Votre hypothèque, on s'en occupe. Sport. Flash. On aura Mathieu Olivier des Blue Jackets de Columbus en entrevue dans quelques instants, dans moins d'une heure. Restez là, parce qu'on va parler du match, bien sûr, Canadien-Blue Jackets. Mais avant, Mathieu Olivier, Ben va nous en parler. Oui, ben le Canadien qui était à l'entraînement, évidemment, du côté de Brassard, en vue de cet affrontement de demain face aux Blue Jackets. Primo, Caden de son prénom, obtiendra le départ. Après la pratique, Martin Saint-Louis a discuté du défi qui attend le tandem de gardien de but chez le tricolore. Tu veux toujours avoir une bataille à l'interne. Je pense que ça pousse les gars. Ça les amène à un autre niveau, peut-être. T'sais, tu veux toujours essayer d'améliorer la chaise que t'es dedans. T'sais, ça soit tu sois un gardien, tu sois un défenseur ou un avant. Puis tu fasses la job de la chaise que t'as. Mais maintenant, faut pas t'avoir peur d'en envoler une. Puis ça fait partie de cette ligue-là. C'est compétitif à l'interne, à l'externe. Puis faut que tu sois alerte. Un Canadien qui a procédé à une transaction mineure. Nathan Légaré prend la direction du New Jersey. Un retour d'Arnaud Durandeau qui viendra aider le Rocket de Laval. 4 matchs de NH ce soir. Les Blues sont les visiteurs à Boston. Les Devils qui affrontent les Rangers au Madison Square Garden. Les Capitals qui rendent visite aux Jets à Winnipeg. Les Kings reçoivent les Islanders à Los Angeles. Les Islanders qui tenteront de signer une 7e victoire de suite. Il y a beaucoup de blessures dans la LNH. Les Ducks ont annoncé que la saison de Tristan Luneau est officiellement terminée. Le Québécois qui avait raté l'entièreté du championnat mondial junior en raison d'un virus auquel il tente toujours de se remettre. Les Sénateurs ont annoncé que Josh Norris aussi allait rater le reste de la saison à la suite d'une opération à l'épaule. Le gardien des Canucks, Thatcher Demko, devrait être tenu à l'écart du jeu pour une période de 2 à 3 semaines en raison d'une blessure à un genou. Et ça a bougé beaucoup dans la NFL aujourd'hui. Ouverture du marché des joueurs autonomes. Russell Wilson signe avec les Steelers de Pittsburgh pour 1 an. Baker Mayfield prolonge à Tampa Bay pour 3 ans. Kirk Cousins est maintenant un Falcons d'Atlanta. Contrat de 4 ans, $180 millions pour Kirk Cousins.
Tony Pollard signe 3 ans avec les Titans du Tennessee. DeAndre Swift s'entend avec les Bears de Chicago pour 3 ans et les Eagles s'entendent 3 ans avec Saquon Barkley. Martin, FX, les Bears qui veulent bâtir un nouveau stade à Chicago. Ouais, j'ai vu ça. Ont-ils vraiment besoin de ça, les Bears qui sont prêts à investir 2 milliards de dollars dans la construction d'un nouveau stade qui appartiendrait aux autorités publiques? Mais serait payé avec de l'argent privé, ce qui est complètement fou. Il y aurait même un toit qu'on parle sur ce stade-là et on veut le bâtir sur le bord de l'eau. Donc, on ne veut pas aller en banlieue. C'est tout simplement... Tu sais, quand il y en a qui disent... D'autres, on a compris comment faire de l'argent. Puis d'autres qui font comme « Ah, d'autres pas tant sûrs qu'on a compris comment faire de l'argent. » Ce qui s'en vient parlant d'argent, le concours le plus payant de l'histoire de la radio, parce qu'on ne sait pas combien ça vaut une paire de billets pour aller voir Lionel Messi contre le CF Montréal. On vous offre la chance d'avoir une paire de billets de saison pour le CF Montréal. Un finaliste sera connu au retour de la pause. Et Bob Barkley également sont là. Bougez pas.
Canadien a disputé un bon match, mais tu regardes le premier but. Et il y a une erreur d'inexpérience, une erreur de je vois-tu pas. Jacquard y va, bang, il se fait prendre. McCann échappé, bang, c'est le but. Deuxième but, là, c'est Harris puis Struble. Harris, il est tout à fait de l'autre côté de la glace lorsque la rondelle est aux oreilles le long de la bande. Un petit flip dans le centre. Et puis, bang, on est parti. Et puis, ça, c'est le but à Domi. Et Harris, comme défenseur, faut qu'il vienne fermer le milieu. Là. Et Struble, lui, il est sur le côté fort de la rondelle. Fait que d'une certaine façon, c'est correct. Il faut qu'il reste là. Mais Harris, c'est deux erreurs qu'une fois que tu vis ça, puis tu réalises. Puis je pense que autant Jack Eyes, Struble, Harris, c'est des jeunes défenseurs qui ont montré quand même une belle intelligence, un beau sens de hockey. Ça se passe vite sur la glace. Et puis soudainement, des fois, tu vas penser que la rondelle va revenir sur ton côté. Protège le milieu. Tout bon défenseur, là, tu protèges le centre. Tu ne te feras jamais mettre dans le trouble. Donc, ce fut les deux premiers buts où que Montembeau a fait quand même quelques bons arrêts, mais les Leafs n'ont jamais été dominants dans ce match-là. Là, mais ces deux erreurs-là. Puis ensuite, un 3 contre 3. Pearson, il a juste à rester en avant de Tavares. Là, le hockey en dessous des bras, ça ne l'empêchera pas de Tavares de marquer but. Fait que ça, c'est un autre point technique. Moi, je trouve que c'est trois buts. Puis quand on dit que le hockey, c'est un jeu d'erreur, surtout le hockey de la Ligue nationale, où que la moindre erreur se transforme en but, mais je pense qu'on a eu une vraie preuve contre les Leafs, parce que c'est trois buts d'ailleurs... qui a été facilement, qu'on aurait pu l'enlever. Tu sais, je parlais avec Denis Gauthier après-midi, puis on parlait de justement des buts, puis il parlait de la statistique des surnombres. OK, les 3 contre 2, les 2 contre 1, etc. Ouais. Le Canadien était une des équipes qui en donnait le plus depuis le début de l'année, et dans le match contre Toronto, 5 seulement. Et ça revient un peu à ce que tu disais. Ouais. Le but, là, que Jack Hyde, je suppose qu'il s'en va au début de période, c'est comme s'il... pinch bizarre, puis la rondelle continue. Il pinch fort, puis c'est ça. Mais ça, c'est une erreur individuelle. C'est pas une erreur de communication avec un gars qui s'en va s'asseoir sur l'allié, puis l'autre a pas pris sa place, puis là, tu dis, garde, tout est pété. Ça, c'est juste des erreurs individuelles. Pour le coach, c'est bien plus facile à régler, il me semble. Ben oui. La décision de Jack Hayes, c'est pas le système, c'est pas communication. Il faut le dire comme que c'est une mauvaise décision de la part de Jack Hayes, et c'est tout. Exact. T'sais, lui, s'il squeeze pas, il gars tout de suite. S'il ne prend pas en charge tout de suite, c'est un 2 contre 2. Il n'y a pas de danger. Si tu y vas, il faut que tu aies tout jeune défenseur ou tout défenseur qui pinch. Ouais. Je ne sais pas le terme français. Là, on peut pas dire pincer. Qui agresse l'adversaire. Ouais, en tout cas, tout défenseur qui pinch, il y a une règle. Il faut que tu aies la rondelle ou le joueur. Tu ne peux pas manquer les deux. Puis dans le cas de Jacky, il a passé dans la mythe. Il a passé en plein milieu entre la rondelle et le joueur. Puis ça a donné une échappée. On connaît le reste. Je ne sais pas si tu as vu la statistique. Suzuki contre Matthews ont partagé la glace à 5 contre 5 pendant 11 minutes 18. Ouais. Pendant ces 11 minutes, le Canadien a notamment eu l'avantage au chapitre des tirs, tenté 13 à 6. 8 à 3 en faveur du Canadien pour les chances de marquer et 1 à 0 en termes de but lorsque Matthews et Suzuki étaient sur la glace. Statistique qui veut dire quelque chose ou statistique qui veut rien dire? Non, moi, je vais dire que ce n'est pas une surprise. Parce que, Matthews, c'est un excellent joueur, mais il triche très, très souvent. Et puis, c'est pas le seul dans le cas des Leafs. Regarde le but à Madison. Regarde lorsque la rondelle quitte le territoire du Canadien. Matthews, là, il est à la station de métro Lucien Lellier. Je vais dire, il est tout à fait en arrière. Il attend un revirement. Il espère un revirement. Et puis là, il n'était pas monté sur le petit deux-step. Ça aurait ramassé dans le plat de bonbon à ma mère Gertrude. Fait que, c'est un peu ça, les livres. Les livres, ça, si tu les laisses pas tricher, et puis tu joues d'une bonne façon, puis tu es forcé à jouer 5 contre 5, 4 contre 4, 3 contre 3. Je veux dire, c'est une équipe. Tu sais, Matthews, c'est pas le plus grand patineur. C'est un patineur qui est fort. Par contre, c'est pas un patineur qui est très rapide.
Fait qu'en autant que tu ne perds pas une enjambée contre lui, tu ne seras jamais dans le trouble. En autant que tu le gardes à côté ou en arrière de toi, tu sais exactement il est où, tu sais la position de la rondelle, tu as une bonne position de corps défensive, et tu ne seras pas dans le trouble. Mais c'est certain que, tu sais, tu regardes ses buts, il est capable de se créer de l'espace parce qu'il va patiner vers toi, il va arrêter, il attend que tu tombes en amour avec la rondelle, que tu aies les deux yeux sur la rondelle, whoop, il se crée une distance, et puis, tu sais, les Nylander, les Marner et compagnie, une chose qui sont, ben, lorsque vient le talent offensif, sont là, on peut pas leur enlever ça. Donc, c'est pour ça que les Leafs, c'est jamais une proie très, très difficile à abattre en série éliminatoire. Si t'es force à jouer défensif, si t'es force à jouer du hockey égal, ensuite de ça, la seule chance qu'ils ont, c'est les gardiens de but. Puis je suis obligé de te dire, ben, bonne chance. Exact. Avec tout ça, puis c'est bizarre parce que je trouvais que Suzuki avait pas un bon début de match. Il était tout à sur le cul. Je sais pas, tu sais, la caméra nous a pas montré à un moment donné Suzuki en train de changer ses lames. Mais souviens-toi, il est tombé sur le derrière contre Nylander, ouais. Qui se permet à Nylander. Puis ça, c'était un bel exemple de, tu sais, quand on dit la défensive homme à homme, Suzuki et Nylander tombent sur le cul. Nylander s'est envenu tout seul devant le gardien. Et puis les gars avaient chacun leur gars, puis ils se disaient qui va lâcher le sien pour aller sur Nylander. Ouais. La fameuse phrase que t'entends sur le banc des hockey mineurs, là, tous les systèmes d'homme à homme, j'avais mon gars, I've got my man, mais c'est faux, c'est pas la bonne mentalité. Et moi, le monde, à n'importe qui que j'ai entraîné, je disais tout le temps, les boys sur la glace, t'as toujours un minimum de deux jobs, t'as un maximum d'un million de jobs, parce que je voulais les conscientiser que sois prêt à tout, c'est un jeu d'erreur. Quand tu as le meilleur système, quand tu as les mêmes joueurs, il va avoir des ratés. Tu vas perdre ton homme. Tu vas tomber. Tu vas jouer contre un adversaire qui est plus vite que toi, puis soudainement, tu perds une enjambée. Mais il y a quelqu'un d'autre. Il faut qu'il vienne créer une situation de 2-1. Tu ne peux pas laisser aller le joueur complètement, mais tu regardes le but à Madison. Là. Si quelqu'un me dit que les Leafs, c'est une équipe qui est rodée pour les séries éliminatoires, un, je te l'ai dit, regarde Matthews, là, il est dans le champ de framboise en arrière, puis il attend. Puis ensuite, je pense que c'est Matthew Nice, le 19, je pense. Regarde-les tomber en amour avec la passe. Oui. Et puis Madison s'en va complètement en arrière de lui. Si Matthew Nice reste avec Madison, il n'y a absolument aucun jeu. Mais une des grandes faiblesses du hockey, c'est en lecture de jeu défensif. Les jeunes, les vieux, les professionnels, les gars de Ligue de bière, tombe en amour avec la rondelle. Tu sais, la rondelle le long de la rampe, la rondelle dans le coin, hein, tu gagnes. Si ton gardien de but donne un lancé là, qui vient du bord de la barre, ben, change ton gardien, puis c'est correct, c'est pas une question de système, c'est un mauvais but, c'est tout, mais il reste que, tu sais, quand tu regardes les buts marqués, là, les joueurs se font hypnotiser. Tu croirais que Mesmer, il était à tous les matchs d'hockey, là. Tu dors, hypnotiser les gars avec la rondelle. Ben, je te le dis, regarde le premier but. Ah non, ils sont tous en ligne droite. Ils sont tous en ligne droite, les gars des Leafs. Écoute, sont magnifiques. Les deux patins qui pointent vers la rondelle, les deux yeux qui pointent vers la rondelle, le danger, là, à 80% du temps au hockey, toujours en arrière de toi. Fait que place-toi de côté. Place-toi là, place jamais tes orteils. Si c'est pas toi qui es en couverture sur le porteur du 10, place jamais tes orteils vers la rondelle. Par où, les orteils? Place-toi de côté. Que tu aies un œil sur la rondelle, un œil sur qu'est-ce qui s'en vient. OK, ça veut dire que si la rondelle est à ma gauche, à 9h, il faut que mes orteils pointent à midi. Exactement. Okay. Exactement. Tu pointes vers l'enclave, tu vois qu'est-ce qui se passe dans le coin. Tu vois qu'est-ce qui se passe dans l'enclave. Surtout, tu vois qu'est-ce qui s'en vient vers toi. Tandis que si tes orteils pointés vers la rondelle, comme Nice, la rondelle passe, puis là, ben, t'es tellement comme pris dans le jeu, puis là, soudainement, la rondelle... C'est pareil comme un chancentre au baseball là, qui joue juste en arrière du deuxième but. La balle est en arrière de toi, là. T'es fini. C'est la même chose au hockey. Garde-toi une distance okay. Que tu peux lire le jeu, puis tu peux récupérer, puis même si soudainement tu penses que tu as fait une erreur, une bonne position défensive va te permettre de la corriger. OK, j'aime ça. Avec les statistiques, Suzuki s'est replacé, là, il y a un moment donné, il a arrêté d'être sur le derrière, mais si vous regardez le match, vous allez voir en première période, surtout autour de cette présence-là, c'était pas beau, c'était pas chic. Et
Donc, bon match pour Nick Suzuki dans l'ensemble. Et la question se pose, c'est un journaliste, j'oublie le nom, qui a écrit ça. Nick Suzuki est-il un futur récipiendaire du trophée Selke dans la Ligue nationale de hockey? Il y a même Ryan O'Reilly la semaine dernière qui a comparé avec les Kopitar de ce monde. Il n'a pas nommé Barkov, mais il a nommé les Bergeron Kopitar, ce qui n'est pas, ce qui est pas banal. Crois-tu un jour que Nick Suzuki pourrait être un soit récipiendaire ou à tout le moins un finaliste? Aucun doute, je veux dire. Et moi, si tu m'aurais posé cette question-là au mois de septembre, je t'aurais dit absolument pas. Et il y a eu une transformation majeure dans Suzuki. Suzuki l'homme, Suzuki le joueur. Il a pris une maturité, il a pris une confiance. Puis tu regardes aussi, c'est une combinaison de trio. Mais je pense que la clé de ce trio-là, évidemment, puis c'est correct, c'est comme ça que ça devrait être, c'est Suzuki, c'est le plus vieux, puis c'est le joueur de centre. Lorsque ton leader sur un trio, c'est un joueur de centre, bien, tu sais que tu es en bonne position parce que c'est ton joueur de centre là, qui est un peu le cerveau du trio. C'est lui, là, souvent, qui va communiquer parce qu'il est au centre des deux. C'est plus facile de communiquer à son ailier gauche, son ailier droit. C'est lui, des fois, qui va dire à ses alliés, « Allez-y, allez-y. » Si là, comme on montre les trois soldats, là, comme que j'appelle là, les trois lignes droites, bien, souvent, le joueur de centre, là, il va dire hey, « Moi, je vais aller au filet ou je vais rester en retrait. » C'est lui qui donne les commandes un peu. Puis avec un jeune Slavkovski, avec un Caulfield qui ne sera jamais un grand joueur défensif, bien, je pense que c'est une belle combinaison. Puis donne de la corde à Caulfield. Moi, je serais Suzuki, je dirais « Vas-y, vas-y toujours le premier. Vas-y. » Ou c'est certain que Caulfield ne causera pas grand dégâts en échec avant. Mais un gars comme Slavkovski va le faire. Slavkovski, c'est le futur power forward du Canadien. Là. OK. Je t'amène du côté de Philadelphie. Écoute, les Flyers sont en visite à Tampa. On honore des anciens Lightning qui ont été coachés par Tortorella. Oui, c'était la fête à Torto. Et là, vas-y. J'ai texté André Roy parce que j'étais à RDS à la chambre, puis on a montré André Roy. J'ai texté André Roy, juste après moi, parce qu'on connaît la relation houleuse un peu entre Torto et André Roy. J'ai dit que Torto avait hâte de prendre une bière avec moi. Il s'est arrangé pour se faire sortir du match. Ah oui. Il a été suspendu. Ouais. Il a été suspendu et mis à l'amende, OK? Parce qu'il a refusé de sortir de la patinoire. Ouais. Le président, le gouverneur des Flyers de Philadelphie, Dan Ilferty, a dit « On va payer toute amende qu'on va essayer de donner à John Tortorella. » Moi, je trouve que c'est une brillante idée. Ça montre une solidarité d'en haut en bas. S'il y a des joueurs qui disaient « Ouais, il est donc bien ticasse, lui, de faire ça. » Puis que le gouverneur arrive et dit « Quelle solidarité, on va payer pour lui. » Je trouve que ça rallie les troupes, non? Ouais, moi, j'ai été mis à l'amende une fois à Atlanta, puis je pense deux fois à Calgary, puis... Les équipes ont toujours payé. Je pense que c'est un peu la norme, mais qu'est-ce que j'aime de Ilferty? Qu'est-ce que j'aime de Daniel Brière? Qu'est-ce que j'aime de Keith Jones? C'est qu'ils ont le dos de Tortorella. Puis en ayant le dos de Tortorella, puis je ne parle pas juste de cet épisode-là, là, on lui donne la force que lui, là, c'est lui qui est deux mains sur le volant dans la chambre. Lui, il sait. Puis encore plus important, les joueurs le savent. Puis c'est pour ça que les Flyers, contre toute attente, ont quand même une bonne saison. Et moi, je pense que Tort, tu sais, il y a plusieurs facteurs là, qui ont fait que le volcan a sauté l'autre soir. Là. 4-0, c'en est un. C'était 4-0, il y avait quoi, 10 minutes de jouer à peu près. Là, il s'est fait mettre dehors à 10 minutes 49. Tu sais, Wes McCauley aime ça mettre le moutarde un peu, puis c'est correct. Tu sais, parce que autant les Wes McCauley que les Torto, ces choses-là, c'est rendu des exceptions parce qu'on est rendu des robots. T'sais, les coachs, on est rendu des robots. Les arbitres, on est rendu des robots. Des robots parce qu'on n'a pas le droit de faire de show un peu. Là, et moi, là, il y a des équipes dans la Ligue américaine qui m'appellent, dans la Ligue Jean-Marie du Québec qui m'appellent, deux grosses équipes qui m'appelaient, puis ils me disaient « Bob, tu t'en viens chez nous, tu vas-tu faire un show un peu en première période, ces choses-là? » Hey, on était des acteurs, puis tu sais, peut-être qu'il y a eu des débordements, mais aujourd'hui, là, je vais te dire, là, bientôt, là, on va nous menotter un poteau en arrière du banc, puis on va te faire
va prendre un marqueur, puis on va tracer les deux pieds sur le plancher, puis t'auras pas le droit de bouger, là. Fait que Torts, c'en est un qui amène de la couleur à la game, ces choses-là. Lui, où qui a fait l'erreur, c'est qu'il a pas voulu sortir du banc. C'est là que je pense que, tu sais, il s'aurait pas fait suspendre pour s'être fait mettre dehors. Non, je reste ici! Je reste ici! Non. Je m'en fous, je reste ici! Avec le pouce dans le plâtre. Ah ouais. Avec le pouce dans le plâtre pour Torts, mais il reste que... Tu sais, lui, sa première suspension, c'était avec moi dans le fameux, voilà. Dans le fameux match du Hockey Night in Canada. Lui, il n'avait pas été suspendu 6 matchs. Il avait été suspendu 15 jours par la Ligue nationale. Il n'avait pas le droit d'être aux entraînements. Ça avait été 15 jours qui lui avait fait manquer 6 matchs. Et puis, il avait eu une amende de, je pense, c'est un autre 50 000. Je pense qu'avec Torts, on marche, si ma mémoire est bonne, je pense qu'on marche aux 50 000. Oui, c'est ça. Fait que c'est sa deuxième fois. Et puis, je vais dire, pour, tu sais, tu le disais, il y avait, tant qu'à moi, quelques raisons pour ça. Un, le fait de revoir sa gang de 2004, combiné au fait que les Flyers, avec l'addition que Patrick pousse dans le dos à tout le monde là, présentement, tu sais, les Flyers, ils étaient à 5e un bout de temps. Là, ils sont rendus 7e. Et ils sont quoi, 4-5-1 au cours des 10 derniers matchs. Ils ont baissé d'une coche un peu pour. Puis je ne dis pas qu'ils jouent mal. Tu sais, je ne pense pas que soudainement, là, on a tombé le visage à terre, mais. On a perdu des matchs, tu sais, qui étaient proches, ces choses-là. Puis évidemment, ben, Torts, c'est tout le temps un volcan qui risque, tu sais, d'exploser en tout moment. Puis, est-ce qu'il a fait ça un peu pour shaker son club? Peut-être que oui. Puis, tu sais, il y a rien de mal à ça, mais le fait qu'il ait été suspendu 2 matchs, ça, je pense que autant ça peut leur faire mal que de l'autre côté, avec, tu sais, Philadelphie, Brotherly Love, là, ouais. Tout le monde est ensemble, puis tout, mais Torts et Daniel Brière, ils ont récréé ça. Parce que les joueurs vont dire, hey, ces 2 matchs-là, là, on les gagne pour Torts, peut-être. On va voir. Mais il reste que Patrick, comme c'est là, est en train de brouiller cartes, et puis il cause des maux de tête à certaines équipes, le Tampa Bay, les Flyers, Détroit, Washington aussi. Washington monte aussi, donc je vais dire, on va avoir une belle course du côté de l'Est. On va s'en garder pour demain. J'ai même sorti les statistiques, 30 buts pour, 11 buts contre dans cette série de victoires. Mais ils jouent contre les Kings ce soir, puis je suis convaincu qu'il y aura une autre victoire. On regarde le sujet, copier-coller, on met ça dans la préparation pour demain, Bob. Salut, mon chum. Hey, salut, Bob, attends une seconde, attendez. Swipe-moi à gauche ou à droite. Ouais. Swipe-moi à gauche ou à droite. Swipe à gauche. Swipe l'autre bord. Mets ton doigt sur l'écran, puis swipe-moi d'un bord. Hey. On doit sur l'écran là, pour mettre mon pied. Là, là. C'est l'affaire. Ce petit bonhomme, ça ne marche pas pantoute. J'ai peur que la face à Ben Roger. Mais non, ça ne marche pas pantoute. C'est vrai que tu n'es pas technologue. Hey, on t'aime. Moi, la dernière fois que j'ai touché une patente comme ça, là, c'était à mon atterri, j'avais 12 ans. Salut, mon Bob. On t'aime. Salut, mon chum. Bye. On a un gagnant, un finaliste, devrais-je dire, pour notre concours CF Montréal, billet de saison, une valeur inestimable. Notre finaliste d'aujourd'hui, Alexandre Asselin, avait 9 minutes 19 secondes pour nous rappeler. Est-ce qu'il a réussi, Ben, à le faire dans l'intérieur du temps limite? Il l'a fait à l'intérieur du temps limite, mais il était temps qu'il appelle parce qu'on avait dépassé la 8e minute du concours. Ouais. Il était pas mal sur la faufoune. Oh. Mais il a appelé. D'après moi, il s'est fait caler par une coupe de chum. OK, j'aime ça. Ah, ouais. Ben voyons donc, sinon si tu l'entends, t'entends pas, tu joues pas avec le feu. Non. OK. Alexandre Asselin, félicitations, t'es finaliste pour cette paire de billets. Demain, à la même heure, nous ferons un autre finaliste. Question du jour aujourd'hui, FX. Est-ce que Nick Suzuki est un futur récipiendaire du trophée Selkie dans la Ligue nationale de hockey? À 68,8%, oui, sur Twitter X, contre 31,2% qui pensent que non. Mais il y en a plusieurs sous la publication Facebook qui disent « Il le sera dans les prochaines années, mais pour le moment, évidemment, ce n'est pas un récipiendaire du trophée Selkie et il doit améliorer son différentiel le plus ou moins. » En même temps, il affronte les meilleurs trios adverses et je trouve qu'il y a une nette amélioration Suzuki cette année. Pardonnez-moi, votre honneur.
Moi, les trophées, là, à part le trophée Georges Vézina, là, je sais jamais c'est quoi que ça. Je me rappelle jamais de c'est quoi un sacramouille de trophée. Mais je suis convaincu que je suis pas seul au monde. Mais on prend pour acquis que tout le monde sait c'est quoi le Selkie, le Hart Ross, Hawaii-Don, puis tiens bien. Il est rendu 5h30, le show finit dans une demi-heure, fait 2h30 qu'on est en nombre, puis là, c'est là que tu lèves la main et fais « Hey, c'est quoi le Selkie? » Non, mais je lève la main pour le commun des mortels qui... Tu sais, nous autres, là, toi, tu patauges là-dedans depuis toujours. Selkie, Art Ross, par Wakedon, tu sais comment ça... Le Lady Bing, puis tu sais... Mais c'est pas tout le monde qui sait ça par cœur, là. Si je te dis que le trophée Selkie a été remporté le plus souvent par Patrice Bergeron... Ben, c'est le joueur le plus utile? Non. Non? C'est le meilleur attaquant défensif. Le meilleur attaquant défensif. Tu veux? Meilleur attaquant défensif, trophée Selkie. Non, mais les gars, Guy Carbonneau, prenez Bob pas pour acquis que tout le monde sait ça par cœur, les Moses de trophée. Ben, moi, je suis surpris que tu aies pris 2h30 avant de me le demander. Je travaille! Ici, tous les coups sont permis. Vous êtes dans l'Octogone. OK, l'Octogone, FX et moi, je recommence. Êtes-vous du même bord, vous? Je te le dis pas. Maintenant que Jake Allen est parti, ouais. OK, conversation avec l'ami Denis Gauthier, puis ça s'est avéré que l'ami Ben semble avoir la même conversation. Il reste juste Montembeau et Primo. Il veut voir ce que Montembeau peut faire comme numéro un. Pas question de voir si Caelan Primo peut être un excellent numéro 2. On veut rouler de Big Bear. On veut rouler l'homme Montembeau. Il reste quoi, 18 matchs d'ici la fin de la saison? 18 matchs. Primo est déjà confirmé pour demain. Donc, il reste 17 matchs. Est-ce que Montembeau doit être utilisé comme un légitime numéro 1 et vous voulez que Primo soit utilisé seulement et uniquement comme un backup goalie? Un gardien but de réserve, un gardien but numéro 2, qu'il y ait un match coup-ci, coup-ça d'ici la fin de la saison dans les 18 suivants, dans les 17 suivants, parce que le 18e, c'est Primo qui va garder les buts. Moi, je serais pour ça, de voir ce que Caelan Primo peut me donner. C'est toi-même qui n'es pas confiant en vue de la prochaine saison de Caelan Primo, Samuel Montembeau comme tandem devant le filet. Ben, on va avoir une certaine réponse en voyant Primo garder le filet d'ici la fin de la saison. Puis c'est contre de très bonnes équipes. En plus, on sait que le Canadien a le calendrier le plus difficile d'ici la fin de la saison. Alors voilà, c'est fini. Fini. Ben Roger. Qui sera le gardien partant du Canadien de Montréal la saison prochaine? À moins qu'on fasse une acquisition. Ça, je pense pas qu'on va le faire. Qui sera le gardien partant du Canadien de Montréal la saison prochaine? Es-tu capable de répondre à cette question-là? Non, mais je vais le faire pareil. On n'ira pas en alternance, là. Samuel Montembeau, bon. Mais l'an passé, ce qui est en Samuel, a fini la saison avec force, remporté une médaille d'or au championnat du monde. Qui a joué le premier match de la saison, Ben? C'est Caden. Jake Allen, oui. Ah, oh, mais ça, non, c'était le vétéran. C'était le vétéran, puis bon, respect, puis tout ça, bon, c'est bien correct. Sam Montembeau est le gardien de but numéro 1 du Canadien de Montréal en ce moment. Tu fais garder les filets à ton gardien de but numéro 1. Caden Primo, au mieux, aura une carrière sur 10-12 ans comme numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey. Il ne sera jamais un gardien de but numéro 1. T'as décidé ça. Oui, j'ai décidé ça, je le vois. Je ne suis pas un gardien de but comme toi. J'ai pas joué dans le show. On le voit?
En 13 matchs cette année, tu l'as vu? Ben, non, mais... Parce qu'il a juste joué 13 matchs. Écoute, là, qu'il garde les filets comme du monde quand on lui donne le filet. OK? Moi, c'est Sam Montembeau que je veux comme numéro 1. Puis Caden, une fois de temps en temps, viens prendre le filet puis donne-nous une bonne performance. Je suis... Attends, mais là, on va arrêter de niaiser, là. Jake Allen, attends une minute. Jake Allen s'en va, puis on continue l'alternance. Un match, c'est Sam. Un match, c'est Caden. Un match, c'est Sam. Voyons, arrêtez de niaiser. Là, tu fatigues. Toi, t'es en train de me dire que... Un gars qui arrive... Je vais te l'expliquer de deux façons. Un gars qui arrive, exemple, Josh Choix Roy. Choix de cinquième ronde. Pas vraiment d'affaires. Tu sais, quand un choix de cinquième ronde, il, il fait bien, là, mais je veux pas qu'il joue trop. Tu sais, le premier trio, c'est l'autre trio. Tu veux pas que Josh Choix Roy monte sur un premier trio d'un coup qui serait meilleur que Caulfield. C'est ça que tu me dis? Non, c'est pas ça que je dis. Ah, OK. Caden, ça fait combien d'années qu'il est dans la ligue? Première cette année. Non, c'est pas la première année. Ça fait combien d'années qu'il est avec le Rocket, puis qu'on le monte, puis qu'on le descend, puis qu'on lui donne des chances, qu'il ne saisisse pas ses chances? Excuse-moi, ouais, dans la ligue, j'ai interprété Canadien de Montréal. Ça fait combien d'années qu'il est chez les pros? Là, tu joues sur les mots. Là. Non, je ne joue pas sur les mots. Tu m'as carrément dit dans la ligue. Est-ce que l'an passé, on est allé chercher Caden pour une coupe de match? Oui, oui. Mais tu joues dans la Ligue nationale de hockey? Oui. L'année d'avant aussi. Oui, mais il était titulaire du poste de numéro 1 à Laval. À Laval. Il était, tu sais, juste là, s'il y avait un blessé. Puis à Laval, c'était pas clair par bout. Là. OK. OK. À ça, je peux-tu mon tour? Vas-y. OK. Caden Primo, 3 départs. Pourquoi tu veux mettre tout de suite un couvert sur sa progression? Pourquoi tout de suite tu veux dire c'est un numéro 2, pas plus? D'un coup, qu'il devient meilleur comme Montembeau, tu veux te priver de ça? Comme tu veux te priver de Joshua Roy qui pourrait être meilleur qu'un Caulfield? Non, les odds, c'est non, Caulfield va être meilleur que Joshua Roy. Mais d'un coup que Joshua Roy devient un super allié pour jouer avec Nick Suzuki et Slafkovský, tu veux-tu vraiment te priver de ça? D'ici la fin de l'année, je suis 100% d'accord avec FX. D'ici la fin de l'année, donne une dizaine à Sam. Donne-en à 7, 8 à Caden Primo. Parce que cette année, ça veut rien dire. Tu veux savoir l'an prochain s'il faut que tu partes après un deuxième gardien parce que tout d'un coup, Ben Roger aurait raison. Tu veux savoir qu'il est pourri là. Tu veux pas le savoir l'an prochain quand la saison va commencer. Tu veux le savoir là. D'un coup que tu décides d'aller signer Marc-André Fleury comme vétéran pour aller avec Montembeau pour avoir le duo Montembeau-Fleury. Mais si tu veux savoir si Primo est bon, tu peux pas le faire jouer 3 matchs puis dire après 16 départs cette année, 13 de passer, 3 en avant, dire « Ah, il est pas très bon. » Après 16 matchs, tu faut que tu le fasses jouer et tu le fais jouer à raison de 7, 8, 9 matchs cette année. Plus de matchs pour Montembeau, j'ai pas de problème avec ça. Puis sais-tu quoi? Si jamais Primo là, garde les buts à la tête puis qu'il blanchit, peu importe qui, les Browns de Boston, ça arrivera pas, là, je m'attends que jeudi ça soit Primo, ça soit Montembeau. Là. Mais le match suivant, c'est à Primo. S'il blanchit les Browns de Boston et qu'il, comme tu dis, qu'il garde qu'il garde sur la tête, tu lui donnes le suivant. T'as raison. Je suis d'accord avec ça. Si mais ça n'arrivera pas. Si toi, tu penses qu'on va le jouer 3-4 fois seulement d'ici la fin de... Non, mais moi, je pense qu'on va le jouer 4-5 fois puis ça va être pas payé de même. Non. Il faut voir aussi ce que Sam a dans le sang. Il faut voir comment Sam peut se débrouiller en ayant le titre de numéro 1. Ça enlève rien à Sam. Il faut que tu en donnes à Sam, là, en masse. Hey, d'un coup, que tu te ramasserais avec un duo... Je suis pas en train de les comparer à ces gars-là, là. Mais d'un coup, tu aurais un super duo, Swayman-Hallmark à Montréal. Tu sais, qui joue. D'un coup, là, les deux, là, ça relance, puis ça travaille fort, puis. OK. Et que tu l'aimes. Tabarouette. Pas je l'aime. Tu l'aimes tellement. Pas mais tôt. Je m'excuse, mais. Toi, tu le détestes tellement. Non, je le déteste pas. Ben oui, c'est viscéral. Non, c'est pas viscéral. C'est que moi. Tu l'as même pas vu jouer. Il y a 13 matchs. Arrête, je l'ai pas vu jouer. Les gens disent quoi, sa messagerie texte? Les gens veulent voir Caden Primo dans le net? Non seulement on va aller à messagerie texte, mais on va décider ça, Ben, via le téléphone. Un 3 de 5. Mais je m'excuse parce que c'est vrai. Caden Primo, à quel âge? Il est rendu à quel âge? Là? Oh, au moins 25. 24, je crois. Il y a 24. Je m'excuse parce que moi, je connais pas 24, ça, le gardien de but. Bon, 25, c'est vrai que l'apogée d'un gardien, c'est à 42. Alors, on va encore y laisser le temps. Mais c'est drôle parce qu'il a le même âge que Sam quand il a eu sa chance avec le Canadien, puis tu disais pas ça. Deux poids, deux mesures. Sam, c'était pas clair quand il est arrivé. Deux. Ben non, puis c'est drôle, hein? Si on l'avait dit, ah, on ne joue pas plus que 12 games, ça va juste être un backup, tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. Boum! Non, mais là, c'est parce que, regarde, on a été pogné avec ça. Boum! On a un gars qui fait 10 millions et qui n'est pas là. Qu'est-ce on va te chercher les réactions. OK, oui, c'est bon. 514-790-0919. Votre nom? Primo joue 8-9, ça vous êtes d'accord avec FX et Martin, ou Primo joue 4-5, vous êtes d'accord avec Ben Roger. 514-790-0919. On y va. Non, réponse. Petite coupe, très, 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 très rapide. BPM Sport, à qui on parle?
Martin. Martin. Primo, tu en donnes quoi? Majorité Montembeau, Hama Primo. Merci, merci Martin. Merci Martin. Merci beaucoup Martin. Mais PM Sport, allô, à qui on parle? Mais PM Sport, allô, à qui on parle? Allô? Mais PM Sport, allô, à qui on parle? Yann. Salut Yann, on t'écoute. Ben moi, je suis en total désaccord avec Ben. Là. C'est faut alterner. Faut alterner, parfait, c'est 1-1. Mais PM Sport, allô, à qui on parle? Merci Yann. Oui, voilà Tristan. À Tristan, Tristan, on t'écoute. Écoutez les boys, moi je pense que vous obstinez pour rien parce que le numéro 1, c'est pas Primo, c'est pas Montembeau, ça va être Jacob Fowler dans 4 ans. Non, ça c'est correct, mais pour l'instant, là, tu donnes compte. Pour l'instant, c'est clairement Montembeau, sa présence devant le filet, les gars, ils sont plus en confiance, sa technique est meilleure. Fait que vous faites jouer Montembeau 4 matchs cette année, le restant de l'année. Pas longtemps, Caden, 4-5 matchs seulement? Ben, à peu près 4-5, je pense okay. Que c'est bon de donner de la confiance à Sam. Excellent. Bon, excellent. Merci beaucoup, mon ami, pour ton appel. C'est 2-1 pour Montembeau. Mais PM Sport, là, à qui je parle? Pascal. Pascal, ta réponse? Yes, Montembeau all the way. Bon, Montembeau all the way, ben, c'est 3-1. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Merci bien. Ça a été bien le fun, les gars. OK. Salut. Quelle arrogance. Hey, on n'a plus le temps. Quelle arrogance. C'est-tu à moi, là? Non, salut! Oh. Aurez-vous le numéro du billet gagnant? Le concours radio le plus trippant, ça s'attend pour le printemps. Grâce à BPM Sport et au CF Montréal, gagne ta paire de billets de saison du CF Montréal. Chaque jour dès 8h, écoute le club du matin. Max Lalonde donnera le numéro à 3 chiffres du billet chanceux. Va l'inscrire dans la section concours du bpmsport.ca. Et à 17h, si Martin Lemay nomme ton nom, t'as 9 minutes 19 secondes pour nous rappeler au 514-790-0919 en donnant les 3 chiffres chanceux. Un finaliste par jour, mais un seul gagnant à la fin du concours. Qui assistera à tous les matchs du CF Montréal? Ta paire de billets de saison grâce à BPM Sport et au CF Montréal. En 2024, le service d'authentification.
sur BBM Sport. On a un excellent montage de Ben Roger qui se fout encore de ma gueule, mais je suis convaincu que j'avais encore raison. Les gars, je vous tends la main. Venez avec moi. Allons faire un petit tour en Spoutnik. Je sais que c'était périlleux, une émission comme ça en satellite du côté de Québec. On aime ça venir voir notre gang au 100,9. Merci à vous, auditeurs précieux de BPM Sport. Toi, tu ris. Toi, ça fait 20 minutes que tu ris. Puis tout ce que je te vois en zoom, j'ai aucune idée de quoi tu ris comme un... Écoute, on dirait que Lise Dion est dans le studio. Non, non, mais ouais, on était en diffusion par satellite. Mais là, il faut vraiment quitter les ondes parce que le satellite vient de nous dire qu'on est en train de dépasser les limites, là. Mon tabac. Quand certains soirs, tu t'ennuies trop, regarde dans le ciel, tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement. Un satellite. D'abord, on croit en une étoile, c'en n'est pas une, c'est moi dans un Spoutnik. Je me défendrais bien, mais on a quelque chose de beaucoup mieux que de m'entendre chialer. Mathieu-Olivier, salut! Oui, salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Mathieu, tu t'en viens à Montréal demain affronter le Canadien. Comment ça se passe quand tu es arrivé à Montréal? Est-ce que tu vois de la famille? Est-ce que c'est toujours spécial? Oui, normalement, je vois de la famille, mais cette fois-ci, je sais pas, ça ne donnait pas pour personne. Donc, voyons ça donc. Va être un peu plus tranquille. Oui, ben non, mais ça va donner pour la game demain, mais pour ce soir, je parle... Oui, je pourrais pas aller souper avec la famille, là, malheureusement. Fait que ça va être une soirée un petit peu plus tranquille. J'ai envie de te dire, je te sors, je vais t'inviter. Écoute, c'est pas grave. Avec une famille à la maison, des fois, des soirées tranquilles à l'hôtel, on les prend. Oh, OK, j'aime ça. Écoute, ça a fait couler... Ça veut-tu encore dire quelque chose de spécial pour toi? Ça, à chaque fois que tu joues au Centre Bell, ça signifie quelque chose? Oui, c'est sûr que c'est toujours le fun de revenir jouer au Québec. Il y a toujours un petit peu plus d'attention de la part de famille et amis. Par contre, c'est sûr que oui, pour les playoffs, les deux équipes sont éliminées, mais pour notre part, nous autres, on essaie de bâtir une culture ici qui va nous amener aux playoffs éventuellement. Puis récemment, on a eu des performances qui sont beaucoup mieux. On joue pas mal mieux comme équipe aussi. Donc, l'autre, c'est de continuer ce lancer-là puis de commencer à bâtir pour l'année prochaine déjà. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites de mieux? Juste notre... je pense que on a eu un changement de coach au début de l'année. On a eu des changements au niveau du personnel aussi. Je pense que on a une équipe très jeune. On a une équipe qui avait beaucoup à apprendre. Donc, il y a des choses, des détails dans notre game qui sont beaucoup mieux qu'ils étaient. Qui fait de nous une équipe un petit peu plus compétitive. OK, Mathieu, on a essayé de t'appeler quand toi et Nicolas Deslauriers, vous avez décidé de mettre un total inconnu sur la map. Je te fais entendre un extrait. Rempe already involved with Mathieu Olivier. They talk in pregame warm-ups. Rempe's got 6 inches on Olivier. But boy, Olivier, he's throwing some haymakers. Poor Rempe, he gets challenged every game. Il y a toujours le choix de dire non, mais je vous dirais qu'un garçon de 21 ans, j'arrête pas de dire, c'est pas la même chose qu'un homme de 27 ou un homme de 30 quelques années comme Deslauriers. Comment je te dirais ça, Mathieu? Tu l'as comme un peu maquillé pour l'Halloween, mais une couple de mois à l'avance. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime parler beaucoup parce que ça peut toujours arriver dans l'autre sens. Absolument. T'sais, ça fait partie du travail qu'on fait. Écoute, c'est peut-être pas ce que les gens veulent entendre, mais pour vrai, ce que ce kid-là est en train de faire puis le rôle qu'il est en train de se bâtir à New York, il y a des gens qui devraient prendre des notes. Il y a différentes façons de se rendre, puis clairement que les Rangers voient une valeur extrême à ce kid-là, puis il fait des choses que c'est pas n'importe qui serait prêt à faire, donc le mérite y revient. Mais deux en deux soirs, Nick Deslauriers et toi... Tu sais, si t'es son grand frère, à un moment donné, t'as envie de dire, tu sais, je sais pas combien tu penses, Mathieu, vous avez de combats dans une carrière, parce que c'est un métier, tu sais, je travaille avec Georges Larac, je travaille avec André Roy, tu sais, on en a beaucoup entendu de ces histoires-là, puis, tu sais, mettons, je sais pas, mettons que t'as une quarantaine de combats en carrière, j'aurais envie de dire à un ami qui fait ce métier-là, choisis les 40 fois que tu vas laisser tomber les gants. C'est pas ça que t'aurais envie de dire si t'étais grand frère de Rempe?
Non. Ben, écoute, je comprends cette logique-là. Par contre, moi, je reviens tout le temps à ce qu'on dit. Combien de personnes dans la vie qui t'ont dit « Moi, je donnerais n'importe quoi pour jouer dans la Ligue nationale? » Il y a tellement de joueurs et de personnes qui n'ont jamais joué, qui sont juste amateurs de hockey, qui ben oui. aimeraient ça, qui feraient n'importe quoi pour jouer dans la Ligue nationale. Puis ce kid-là, c'est exactement ça qu'il fait. Donc, moi, quand j'entends du monde dire, par exemple, « Ben là, il faut qu'il arrête, ça va trop vite. » Puis tout. Il y a juste lui qui va savoir quand ça va être trop pour lui. Puis lui, il est prêt à faire n'importe quoi pour rester puis faire sa place. Puis faut qu'on respecte ça. C'est un kid qui veut bâtir sa carrière. Puis à 21 ans, ce qu'il fait, ben, il s'enligne pour en bâtir une bonne. Ouais. Non, c'est sûr qu'il pourrait être il pourrait terroriser la Ligue quand il aura... Tu sais, moi, j'aime ça dire quand vous êtes rendu à ton âge, vous êtes rendu avec des avant-bras de fermier. Tu sais, quand il aura plus de vécu et d'expérience. On jase juste entre nous deux. Là. Avais-tu parlé avec Nicolas avant de l'affronter le lendemain? Non. Ah, OK. Ça non, je connais pas Nick. Ah, non, un Québécois, il me semble. OK. Va t'envoyer son numéro. Non, Nick est plus vieux que moi. Il vient de Montréal. Moi, je viens de Québec. On se connaît pas. Puis on se parle pas de ça entre nous autres. On a tout une job à faire. On est conscients. Mais non, malheureusement, je n'ai pas parlé. Avais-tu vu les images de Nick avec Rempe la veille? Oui. Ben oui, c'est dur. À moins que tu habites en dessous d'une roche, c'est dur de manquer, je te dirais. Parle-moi, parce que tu sais, c'est une saison difficile pour les Jackets. Parle-moi des bonnes histoires qu'avec les Jackets. Exemple, j'en ai pris une au hasard. Vous recevez Alex Nylander qui a fait vraiment le tour partout. Même à Pittsburgh, on n'a pas réussi à le partir. Puis arrive à Columbus, dès le départ, connaît du succès. À quel point ça vous a surpris? Ben, c'est un joueur qui. Dès le premier match, on a trouvé qu'il fitait bien dans notre identité. Un joueur qui a des habiletés quand même assez... tu sais, il est très talentueux. Pour X, Y, Z, ça n'a pas marché ailleurs avant dans sa carrière. C'est pas le premier joueur à qui ça arrive. Puis il a juste 25 ans encore. Puis les gens, des fois, les choix de première ronde, on a tendance à vouloir les voir déjà être en partant comme Connor Bedard, par exemple, exact. Ou un McDavid, ou... Mais c'est pas tout le monde qui a le même développement puis le même parcours. Puis à 25 ans, il te reste encore beaucoup de carrière en avant de toi. Puis nous, de ce qu'on voit ici avec nous, il est dans son rôle parfait. Puis il a fait un job exceptionnel depuis qu'il est arrivé. Donc, on est vraiment content de l'avoir. Mathieu, amuse-toi demain. Tu l'as dit, il y aura de la famille. Puis la prochaine fois, tu viens à Montréal, puis tu es tout seul, puis tu as envie d'aller souper, je t'invite. C'est bon, merci. Salut, merci à toi. Bye-bye. Salut, bye. Mathieu Olivier, l'excellent joueur des Blue Jackets de Columbus. Je te gage que, présenté par Bet99.net. Tous les matchs commencent sur Bet99.net. Salut le Greg. Salut le Greg. Je viens de l'accepter parce qu'évidemment, nous étions sur Zoom avec notre invité. Alors, je viens d'accepter Greg là, qui... se branche à l'instant. C'est de la haute voltige, les amis. Ah ouais. Mais je me suis muté pour me démuter pour que vous puissiez entendre ma voix qui est congestionnée. Bon, tu vois, qu'est-ce qu'on ferait pas pour t'entendre malade? Incroyable. Fait que je te demanderai pas comment ça va. Je vais te demander, est-ce que tes Kings ont une chance contre les Islanders ce soir? Ben, je l'espère très bien. En fait, les Islanders sur la route sont 14-12 depuis le début de la saison. Alors oui, il y a une chance là. D'ailleurs, ça fait partie du boost du jour. Rangers, Bruins et Kings pour l'emporter à 4,5 qui est la cote. Les Rangers qui reçoivent les Devils, les Bruins qui reçoivent les Blues. Donc déjà là, ce sont deux victoires qui sont très probables. Et les Kings contre les Islanders. Les Islanders qui en ont 6 de suite d'empocher. C'est peut-être celle-là qui va être un petit peu plus difficile. Et dans ce match-là, Martin, je vais avec moins de 6,5 buts dans le match à 1,65. L'attaque des Kings qui produit moins qu'en début de saison. Puis les Islanders qui ont une super bonne défensive, on en a parlé toi et moi dans les deux dernières semaines, mais qui comptent pas beaucoup de buts non plus. Mais si tu veux que je prenne mes Kings, je vais les prendre avec plaisir. La cote est à 1,60. 30-11, les buts pour, buts contre pour les Islanders dans ces 6 victoires. 30-11. Hâte de voir comment ça va se passer ce soir. Les Kings qui ont passé à côté d'aller chercher un gardien. Beaucoup de rumeurs envoyées à Younes Ullmark du côté de tes Kings. Imagine ce que tu aurais pu faire en série si tu avais un gardien. Mon... Ça a l'air que c'était pas les Kings finalement. Ah ouais, OK. Ouais, ben j'ai lu les mêmes rumeurs que toi, effectivement. J'aurais adoré ça, mais ça a l'air que finalement, on aurait confirmé que c'était pas les Kings.
Ailleurs, dans la Ligue nationale de hockey, t'en as parlé dans ton boost du jour. Les Bruins reçoivent les Blues de Saint-Louis. Ouais, j'aime beaucoup la ligne Boston moins 1.5. Donc, Boston pour l'emporter par deux ce soir. C'est arrivé une seule fois que les Blues n'ont perdu que par un but dans les 10 derniers matchs. Ils ont gagné comme 2 ou 3 matchs dans leurs 10 derniers. Et quand ils perdent contre des bonnes équipes comme ça, c'est toujours par 2 buts et plus. Alors, j'aime beaucoup cette cote-là. La cote est à 2.05. Et aussi pour moins de 6.5 buts dans le match, les Blues également ont couvert celle-là aussi 9 fois sur 10. Donc, il y a un seul match qui a eu 7 buts. Les autres, c'est tous 6 ou moins. Alors, je vais avec cette cote-là aussi à 1.65 pour moins de 6.5 buts dans le match entre les Blues et les Bruins. Et je cherche, je trouve pas, les Devils contre les Rangers. Il me semble que j'ai vu ça. C'est ce soir, ça? Oui, c'est ce soir, effectivement. Je l'ai mis dans le boost tantôt. Non, je le sais, mais je regarde sur Daily Faceoff pour le gardien de but partant. Ah! Parce qu'il y avait un masque des Sharks de San Jose. Je voulais voir si c'était Jake Allen ou Kaapo Kakkonen. C'est Kakkonen. Oh. C'est Kakkonen, c'est confirmé? Ouais. Ah, OK, excellent. Ça change tout. Je pourrais te donner... Ouais, c'est ça. Et l'over-under des arrêts qui était à 27.5. Kakkonen contre le Quick dans les deux cas. Kakkonen pour moins de 27.5 arrêts, c'est à 1.91. Et Quick pour plus de 27.5, c'est ce qu'on favorise à 1.71 ce soir. Greg, un gros merci. Prends soin de toi bien, puis on se reparle demain. Merci, messieurs, à demain. Salut, bonne. Des boulettes suédoises. Burger. Bonne idée. Un petit peu de blé d'Inde, t'as peut-être changé ça. Ben non, je vais remettre des champignons. Bon. Non, mettons des champignons. Y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Hamburger steak. Y en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Spaghetti. Y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Ils c'est vont, je... Tu ne remportes jamais. Jamais. Bonne soirée. Bon match. Je trouve ça cool. Burger spaghetti. Je peux vous dire déjà que Sean mange quelque chose que j'aurais à faire un stop chez eux. Je vous dis c'est quoi dans quelques instants. 514-790-0919 si vous voulez nous divulguer votre plan de match pour ce soir. Ben Roger, qu'est-ce que tu manges ce soir? Une bonne vieille tourtière avec du ketchup accompagnée d'une petite salade de pommes de terre. OK. Simple de même. OK. FX? Ce soir, je sors une recette de mon fameux livre des recettes à 4$ et je mange un poulet teriyaki et légumes sautés. Ça prend 15 minutes à faire, seulement 5 ingrédients. C'est vraiment le renouveau du livre de cuisine. As-tu tous les ingrédients chez toi? Ah, je les ai... En fait, je vais faire un petit tour à l'épicerie. Il me manque la sauce teriyaki qui est le plus important. Et je ne veux pas la faire maison, là, évidemment. Sean mange du pâté chinois avec du ketchup à soir. Ah, ça c'est bon, ça, t'es content. Ça, ouais, ça, c'est comfort food, ça me parle. Madame, ce soir, cuisine poulet cacciatore. Aucune idée, c'est quoi. Un poulet cacciatore? Peut-être que je le prononce pas comme faut. Non, mais j'ai déjà entendu ça, mais je suis pas sûr de savoir ce que c'est. Je te laisse lire, là. C'est-tu ça? C'est comme ça? Ah, oh, ouais, cacciatore. Cacciatore. C'est ça que tu manges cacciatore. Ce soir? Cacciatore. Ouais, c'est ça qui est écrit. Hein? Un poulet cacciatore? Ah, non, je sais pas du tout ce que cacciatore. C'est. Cacciatore. C'est malade ça, cacciatore sur pâte aux fines herbes. Visiblement, je ne soupe pas avec madame ce soir. Ça me dit sur la définition Google, le poulet à la cacciatore est une spécialité culinaire de la cuisine italienne qui nécessite champignons, légumes et vin. Oh boy, ça, je serais surpris qu'il y ait des champignons dans la recette. Ni madame ni moi on aime ça. Ok, Pascal, il dit qu'il est italien. Pourquoi tu me dis ça, Pascal? Ce sera... Les pâtes? Ce sera... Cacciatore veut dire chasseur en italien. Ah, un poulet chasseur! Ah, oh, un petit poulet chasseur! Un poulet chasseur, je sais ce que c'est. Ah oui? Il y a des champignons là-dedans, là. Je connais pas ça, un poulet chasseur. Patrick nous écrit bavette de bœuf sauce Alabama. Mais qu'est-ce que de la sauce Alabama? Ben ça, ça doit être texan un petit peu, là. OK. Attends, ça doit être épicé, non, là. Alabama, c'est pas au Texas, c'est vrai, ça doit être texan. Hey, moi, j'avoue que je t'épais en cuisine, mais vous deux, vous jouez au smat et vous ne savez pas partout. Alabama, c'est Texas. Alors, regarde Forrest Gump un peu, là. Et moi, je connais... Hey, lâche mes rocheuses. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, poulet chasseur. Ah oui, je connais ça. Mais oui. C'est quand la dernière fois que t'es allé dans un restaurant de poulet? Non, c'est pas au Saint-Hubert. Menu, non. Poulet chasseur. Tu vas pas au Saint-Hubert manger du poulet chasseur. C'est dans, je pense que c'est de la fine cuisine, ça, là. Italienne. Poulet chasseur, c'est de la fine cuisine. Tu te donnes des airs. Mais non!
Tout un Spoutnik de travers dans les ouais, fofounes. C'est ça. On mangeait un restant de poulet en sauce avec des petits pois. Ouais, ça va bien mélanger, ça va être correct. Via messagerie texte rapidement, FX. Oui, rapidement, saucisse italienne, ça revient. Spaghette avec la sauce Heinz en canne. Il y a Michel de la Vatrie qui dit chez Scores, il y en a du poulet chasseur. Non. Mais c'est pas fermé, ça, Scores? Non, ben non. Ben non, c'est pas fermé. Pour vrai? Ah, le bar à salade. Ah, le fun, le bar à salade. Oh, OK, excusez. Rigatoni, ça revient. Général Tao aussi. Longe de porc, smoke meat avec frites maison. Rigatoni deux fois, cette fois avec la sauce à la viande. Rigatoni. Porc farci, brie, canneberge et patates gratinées. Oh là là. Il y en a qui partent la semaine en force. Ah ouais, je prends une place chez Benji. Benji va manger un général Tao. Ça, j'aime un ça. Petit général Tao. OK, merci beaucoup d'avoir participé à cette merveilleuse émission. Merci, Ben Roger. Merci, Martin. Merci, FX. Merci à vous tous et toutes de nous écouter. Je retourne dans mon Spoutnik. Oui, bonne soirée, les gars. Et on repart à la lumière. Benji m'a même envoyé une photo de son général Tao.